Bien. Alors j'espère que tout est bien configuré. J'espère qu'on m'entend bien. Alors mon cher scan de droïde. 2 minutes, ça fait 120 secondes. Oh. Merci, merci. Ouais, l'info inutile. Non, c'est toujours utile. Ça nous met bien sur du interstellar, j'aime bien, ouais. Ah ben, j'ai une espèce de petite musique là qui dure 20 minutes, qui enchaîne un peu sur différents thèmes. Puis bon, ça va bien avec le reste. Bruce te passe le bonjour. Eh ben, salut Bruce. Alors, tu as les deux streams en même temps. Il est trop fort, Scan de Druid. Bah, tu lui passes le bonjour aussi. Tu lui souhaites de bien s'amuser sur Assassin's Creed Mirage. Voilà. Voilà. Alors, pour info, je suis quelqu'un qui suit beaucoup les matchs de l'équipe de France. Mais depuis que je suis au Canada, donc depuis maintenant plus de 4 ans, c'est assez compliqué pour voir les matchs ici. Même en me prenant un VPN, des fois ça bug, etc. Puis là, j'ai pas voulu me mettre de pression et je me suis dit, vas-y, allez, c'est bon, let's go, c'est pas grave, je vais pas suivre. Donc, une fois qu'ils auront fini le match, voilà, bonsoir à tous, ça va? Ben voilà, Parisien. Salut à toi, peut-être que tu as le score, mais ne me le donne pas tant que le match n'est pas terminé. Voilà. En général, quand je regarde pas un match de l'équipe de France, ils perdent. Donc, on verra bien. Et salut Bucky! Bref. Je sais, mon talent est inégalable. Ah ouais, non mais là, il y en a assez peu comme ça, hein, donc bravo. Ça marche. D'ailleurs, il finit dans combien de temps? Attends, il a commencé à... Il devrait finir là dans, je sais pas, 15 minutes? On doit être à la 75e, non? Je sais pas. Je dis ça au pif. C'est ton premier playthrough du jeu? Alors oui. En fait, pour la petite histoire, mon cher Scan, je vais t'expliquer un peu parce que bah, tu me suis pas depuis très longtemps et tu connais pas toute mon histoire. Je vais pas tout te raconter là, sinon on va pas jouer. Mais juste, quand Fallen Order est sorti, c'était, je crois que c'était l'époque du Covid et tout, tu vois, donc on était confinés et tout ça. Et en fait, je sais pas, il y avait une sorte d'effervescence, je l'avais fait sur YouTube à l'époque. Alors peut-être qu'il y avait plus de personnes justement qui me suivaient, on était une moyenne de 30-35 personnes. Et en fait, la plupart des gens ont suivi vraiment le jeu, vraiment à l'époque, mais de fou. Et j'avais fait le jeu en quand même assez difficile, et à la fin, mais j'avais galéré de fou, mais c'est des sacrés souvenirs. Parce que vraiment, à la fin, je me souviens, on était resté très tard. J'ai dit, je ne coupe pas le live tant que j'ai pas tué cette sœur là. Enfin, je sais plus comment elle s'appelait, Trilia ou je sais plus. Et vraiment, bah, c'était un moment de fou. Et donc là, bah, j'ai décidé de renouveler l'expérience avec Survivor. Mais bah, comme pour Fallen Order, je l'avais fait assez en retard en fait. Et là, tu vois, c'est pareil, je prends mon temps. Je veux dire, tu vois, je le fais pas le jour de la sortie et tout, mais limite, je m'en fous. Bon, voilà un petit peu pour le contexte, l'histoire. Mais oui, c'est mon premier playthrough. Exactement. Vers 35-40. Ah ouais, donc il reste quand même 25 minutes. Hein. J'adore les jeux Souls-like. Ah d'accord, je compte faire... une run no damage de JFO et Survivor. Ouh là là! Attends, mais alors, si tu fais ça, c'est déjà un très bon joueur. Alors. Je pense que je vais me mettre à stream, mais j'ai pas le temps. Ben, je me dis que si tu as le temps de jouer, tu as le temps de stream. Et en fait, il suffit d'avoir un setup, tu vois, comme là, moi. Et en fait, ben, je me dis, ben voilà, dès que je veux démarrer un stream, au final, j'ai assez très peu de choses à faire pour le faire. Mais si tu es un féru des Souls-like, alors moi c'est pas mon truc, mais j'ai mon cousin qui est sur le Discord aussi, mais il parle assez peu, qui est un féru des Souls-like aussi, et à un moment en parlant, lui et moi, on s'est un petit peu lancé un défi à moi, qui est que il m'a dit, ok, ton défi ça va être de faire le dernier qui est sorti, là tu sais qui a été remaster au début de la PS5, Dark Souls ou Demon's Souls, je sais jamais si c'est l'un ou l'autre. Mais donc peut-être qu'un jour, là, une fois que j'aurai fait un peu le tour des jeux que j'ai à faire, je me mettrai à ce défi-là de le faire, sachant que moi je suis un novice complet, quoi.
Je suis très très chaud, effectivement. Bon bah écoute. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression que t'as l'air d'être un bon joueur. 500 heures de jeu cumulées sur le 2. Waouh. Ah ouais. Moi, les seuls jeux où j'ai joué autant, ça va être genre Rocket League ou Genshin Impact. Voilà. Genshin Impact aujourd'hui, bah attends. Attends, regarde. On va basculer sur le côté jeu. Tac. Ah, mais mince, avec ma caméra, tu verras pas. Mais Genshin Impact, aujourd'hui, j'en suis à 740 heures. Et ça fait un an, presque tout pile, que j'ai commencé le jeu. Voilà, ça fait presque un an que je n'achète pas de nouveaux jeux, d'ailleurs. Tu vois, pour te dire, je suis que sur Genshin Impact en ce moment. À vrai dire, je joue un peu moins quand même aux jeux vidéo qu'avant. Mais Genshin, c'est devenu quelque chose assez de fou quand même. Ouais, en un an, ouais. Oui, en un an. J'ai commencé en septembre de l'année dernière, quoi. Ah oui, quand même, ça fait beaucoup. Oui, oui. Oui. C'est pas trop mon truc, Genshin. Ouais, ouais, bah, tu sais, au début, ça ne l'était pas. Et puis après, à un moment, je dis, vas-y, allez, je commence. Et puis, ben, je sais pas, pour moi, révélation. Il y a tellement... En fait, dans ce jeu, pour moi, il y a tellement, tellement, tellement... Je pourrais t'en parler pendant une heure, mais on va éviter, d'accord. On va partir sur Jedi. Mais il y aurait tellement de choses à te dire. Parce qu'il y a tellement de choses que je ne retrouve plus dans les jeux actuels. Mais que je retrouve enfin dans ce jeu qu'est Genshin, que je peux pas m'empêcher d'être justement amoureux. Tu vois, moi, ça me rappelle des époques comme Spyro, Crash, ou même d'autres jeux où t'avais une histoire, t'avais des cinématiques, t'avais des espèces de petites récompenses comme ça, le temps de tout au long du jeu et tout ça, des récompenses visuelles, sonores, ou dans ton inventaire, tu vois. Enfin, plein de petits trucs comme ça qui me rappellent justement cette époque-là. Et que je retrouve en fait dans Genshin. Et qu'aujourd'hui, je trouve que dans les jeux, la plupart du temps, bah, t'es lâché dans l'univers, la plupart du temps dans un monde ouvert, et c'est genre, démerde-toi. Ou alors, un autre truc que j'aime un peu moins dans les jeux actuels, c'est que tout est trop dark, tout est trop, c'est la guerre, faut pam pam boum boum, et c'est tac 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 tac. Et ça m'a jamais intéressé. Moi, j'aime les univers colorés, joyeux, festifs, Spyro, Crash, Sonic, tu vois, ça, c'est mes trucs, tu vois. Mais... Donc, tu comprends que je m'y retrouve dans Genshin, parce que c'est coloré, justement, parce que c'est un peu enfantin et tout ça. Et quelque part, voilà, j'aime bien un peu cette légèreté, tu vois, du jeu. Et que, bah, bien souvent, voilà, j'ai dit que j'en parlerais pas, et puis en fait, je te fais tout un déroulé. Et bref, on en parlera certainement une autre fois, mais il y aurait tant de choses à dire. Tu as Super Mario Wonder qui sort dans pas longtemps, si tu aimes ce genre de jeu léger. Je le sais. Je le sais, mon Bucky. Alors, je le prendrai certainement, mais pas tout de suite parce que j'attends de voir un petit peu ce qu'ils vont faire Nintendo là avec leur Switch. J'ai l'impression qu'ils ont envie de sortir une nouvelle Switch, mais ils sont pas sûrs et tout. Et forcément, s'ils sortent une nouvelle console, il sera adapté dessus. Donc, moi, je sais pas. Peut-être que je vais attendre. Donc, continuez. On va continuer. Alors, ça fait 2 semaines que j'ai pas joué. Je n'ai fait qu'un live pour le moment dessus. Donc, on va voir à quel point j'ai perdu. Là, je ne sais même plus comment on joue, en fait. C'est génial. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve pile. Alors, dites-moi avant. Dites-moi comment vous entendez. Dites-moi comment vous entendez le jeu. Quand je frappe. Regardez, je sais même plus comment on frappe. Voilà. Ouais, dites-moi à peu près comment vous m'entendez par rapport au jeu, si tout va bien. Mon prochain jeu, c'est Spider-Man 2 qui sort la semaine prochaine. Ah oui, bah, mais moi aussi je vais le faire, moi aussi je vais le prendre, mais ce sera après ce que je suis en train de faire. Mario, j'aime bien la licence, mais ma licence part de Nintendo que je préfère, c'est Zelda. Ouais, d'accord. Bah, moi, Mario, j'ai mis un temps avant d'aimer, parce que moi je suis un pro Sega, pro Sonic à la base, donc ça a été plus compliqué pour moi, mais depuis Super Mario Galaxy, c'est bon. J'ai plus joué à Survivor depuis mai. Je suis full focus sur JFO actuellement. D'accord, donc t'as repris. Et ça va, c'est pas trop dur de reprendre Fallen Order après Survivor? Ah oui, tu es au tout début. Ouais, je suis vraiment tout. Accroche-toi, c'est une fabuleuse aventure. Bah, c'est ce qu'on m'a dit. Donc j'ai hâte. Déjà, j'ai été très très agréablement surpris du début. Franchement. Le son a l'air bon. Bah merci.
Survivor me manque. Ah. Bon, alors, j'ai pris plein de photos dessus, le jeu est magnifique. Ah bah, si tu veux nous en partager quelques-unes sans que ça me spoil, évidemment, ou alors tu les mets en spoil au cas où. Si tu veux nous partager ça dans vos photos, tu peux quand tu veux. Donc, ouais, il faudrait que je... faudrait qu'en fait, je me... Donc, attends, que je me refasse avec... Ok, ça, c'est si je veux les deux. Ça, c'est si je veux qu'un. Et en fait, ce que j'avais fait au précédent live, c'est que je montais les escaliers, là, et puis j'allais à un endroit... En fait, pour m'entraîner, je disais, je ne repars pas tant que je me fais pas toucher. Enfin, je veux dire, tant que je me fais toucher, je recommence, quoi. Et je pense que c'est ce que je devrais faire. Alors, attends. Ok, donc ça, c'est pour parer. Ça, c'est pour tirer. Ça, c'est pour... Ok, ça, c'est la force. Là, je fais ça. Ça, c'est pour sauter. Je peux faire un double saut. Ok, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir à quel point j'ai perdu. Et on va voir à quel point je vais me faire toucher. Voilà, bon là déjà je me suis fait toucher. C'est très bien. Donc là on voit que ça va pas du tout. Hein. Enfin, c'est pas trop mal. Je panique moins que la dernière fois, je trouve. C'est pas dégueulasse. J'espère que tu progresses, jeune Padawan. Bah alors, je viens de commencer parce que j'étais comme d'hab en train de faire un discours au début, donc on va dire que je retrouve mes repères, Wellston. Attends, mais je vois qu'il y a d'autres messages. Attends. Survivor est très difficile comparé à JFO. C'est vraiment corsé. Ah, alors déjà que bah, je m'étais mis quand même en bonne difficulté, donc je risque... Donc il faut bien que je m'entraîne, alors, c'est ça. Hein. Ouais. Je suis très content d'être sur JFO pour le moment. Bon, bah, tant mieux. Petit coucou en direct du boulot. Je termine dans 45 minutes. Si tu es toujours là, je reviendrai. Je serai toujours là, Wellston. Alors, bonne fin de boulot à toi, et puis bah, à tout à l'heure. Je me rappelle, je venais de terminer le roman Maître et Apprenti. Ah, oui. Mais tu l'as pas lu il y a pas longtemps? Non, attends, c'est quoi que t'as lu il y a pas longtemps? Mais dès que je vais passer à Survivor, je vais galérer. Ah ouais. J'ai pris vraiment beaucoup de photos sur Survivor. Je peux pas polluer le channel. Oh, tu peux en mettre quelques-unes. Et puis, je sais pas, une fois par semaine, tu nous fais un petit, une petite séance photo hebdomadaire. Tu vois, tu nous en postes 5, quoi, 4-5. Ça, c'est très bien, c'est un peu dilué. Ah, mais t'es toujours à t'entraîner... Non! Je viens de le refaire une première fois et regarde, j'ai pas perdu beaucoup de vie par rapport au fait que ça fait 2 semaines. Donc, mais là, je vais pas le refaire. C'est bon, là, on va continuer. Mais parce que là, même en 2 semaines, j'ai pas tant perdu et j'ai pas paniqué. Donc ça va. Et certains sont spoilers plus ou moins. D'accord. Bah, tu verras en fonction. Eh, tu sais ce que tu peux faire, Scan? Tu peux peut-être. Si tu te souviens à peu près des moments où t'as posté, ben, si c'est des moments que j'ai passés. Eh ben, à la fin de mon live, tu peux poster les photos qui concernent à peu près le passage que j'ai fait dans mon live. Et puis ainsi de suite, comme ça, tu vois, tu pourras diluer par semaine. Ça rentrera parfaitement avec l'idée que je t'ai proposée. Tu t'échauffes, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est bon, j'ai retrouvé les commandes, ça y est. Je dis pas que je vais pas paniquer, mais j'ai retrouvé les commandes, moi, assez rapidement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir où est-ce qu'il faut aller. Tu vois, regarde, pavé tactile, ça y est. C'est bon, tu vois, j'ai déjà enlevé les roues, là. Je sais tout de suite, donc à mon avis, c'est plus par là. J'en ai pris... Alors, j'en ai pris aucune sur Coruscant. Oui, oui, non, bah ça attendra. Je parlais du fait que tu t'entraînais en boucle sur Survivor. Ah oui, oui, la dernière fois, je n'ai terminé le roman. Oui, c'est vrai. Il se disait, n'oublie pas les enseignements de Qui-Gon. Les bases acquises te rendent quasiment sûr. Oui, 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 je me souviens très, très bien. Ah, c'est bon, ça, ouais. Ce que je lis en ce moment, c'est la lumière des Jedi. Ah, bah j'espère que tu vas kiffer. Bon, alors attends. C'est là que je dois aller. Je crois que c'est là que je dois aller. Oui. Non. Attends. Attends. Ah, y a pas... Ah bah oui, non mais tu fais ton malin, toi tu peux voler, mais pas moi.
Est-ce que je dois pas genre courir non. Ou tout simplement... Ah non, c'est vrai qu'il faut que je passe ici. Oh là là. Attends, mais... Mais non, mais ça, je l'ai déjà fait, ça. Bah oui, c'est quand j'ai battu K2SO, là. Là, en fait, il faut que je... Il faut que j'aille là-bas, en bas, là. Bah si je continue là, en vrai, ça pourrait le faire, non? Je passe vraiment beaucoup de temps sur les photos, peut-être trop. Ah ouais? Bah écoute, c'est bien parce que je trouve que c'est quelque chose que je fais pas assez. Et je fais ça par plaisir, je suis pas photographe. Bah écoute, tant mieux. Écoute, si t'éprouves du plaisir à faire ça, let's go. Fais-toi plaisir. Et puis en plus, si après tu nous le partages, moi je suis chaud. Ah mais t'as passé le premier boss fight, c'est nice. Ah oui, 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 quand même, quand même. Voilà, c'est là que je dois aller après. Bah je crois. À part si là, en fait, il nous fait revenir. Je suis pas convaincu, moi. Convaincu. Pas. Si, c'est ça. Hein. Non, attends, il y a forcément quelque chose. Je suis pas encore familier avec la map. La map en 3D, tout ça et tout, c'est pas mon fort, mais. Ok, non, mais si, on y va. Pour le moment, c'est très agréable à lire, mais je prends plus mon temps pour lire parce que il n'y a que des personnages inédits. Ouais, donc je dois souvent me rappeler de... Oui, moi, tu sais quoi, je prenais des notes, Bucky. Et ça m'a énormément aidé. Et après, j'ai lu le deuxième tome, qui est L'Orage Gronde. Et là, ça fait un an, on va dire, que j'ai arrêté en plein milieu de La Chute de l'Étoile. Et je devrais reprendre. Mais là, avec tout l'engouement de Star Wars, là, ça reprend. Ah, peut-être que je vais m'y remettre. Ok, donc c'est là. Ok. Donc là, si je viens ici... Ah, quand t'es accroché, tu peux pas ouvrir la map. Bon. Mais là, je vais tout simplement revenir où j'étais, en fait. Donc là, je crois que je peux te décrocher avec rond. Ouais, ok. Ok, en fait, là, je suis juste revenu où j'étais. Mais là, en fait, il fallait juste que j'aille ici, quoi. Ah oui, mais oui, ça y est. Oh, ça y est, je me souviens. En fait, normalement, on devait continuer. Enfin, c'est pas qu'on devait continuer, mais j'avais dit à Wellston. Oh. J'avais dit à Wellston, combien de temps tu penses qu'il reste avant la fin de cette étape-là? Puis elle me disait, ah, il y a peut-être plus d'une heure et tout ça. Et pour moi, ça faisait un peu trop. Je sais que j'avais faim et tout. D'ailleurs, j'ai dit que j'allais prévoir là aujourd'hui si. Que je puisse avoir assez à manger, mais j'espère que je n'aurai pas faim. Pas trop, du moins. Merde. Ah, aïe. Oh, j'ai pu faire un double. Ok. En tout cas, jouer aujourd'hui, ça va me détendre un peu parce que je vous explique. On va pas trop en parler parce qu'on n'est pas là pour ça, mais demain, j'ai mon examen de première dan au Kung Fu. Donc là, ça m'évacue un peu. Alors, c'est pas que je suis forcément stressé. Mais c'est quand même un petit stress. Parce que je veux bien faire. Et puis je vais être dans une école que je connais pas, avec des gens que je connais pas. T'es évalué dans un environnement que tu connais pas pour un peu te déstabiliser, quoi. Et donc là. Voilà, donc là ça va me détendre un petit peu. Tu as arrêté La Chute de l'Étoile car le tome t'a moins plu ou c'était une baisse de hype autour de Star Wars ou même. Une baisse d'envie de lire des romans tout simplement. Je crois que c'est surtout la deuxième partie, Wellston. C'est parce que moi, j'ai remarqué que j'ai des périodes de lecture. Et puis aussi en fonction de ce qui se passe dans ma vie, il y a des moments où je vais pouvoir inclure la lecture dans ma vie et parfois non. Donc en fait là, il faut juste que je me discipline. Il faut juste que je me redise, ok tiens, les soirs à telle heure, tu te poses et tu fais ça. Là, je t'avoue que j'ai envie de le faire depuis un certain temps, mais je pense trop à mon examen. Donc, je veux rester focus sur mon examen et après, une fois que j'aurai l'esprit libre, là, je vais peut-être remettre un peu de lecture. Je sais que j'ai un bouquin en cours. Peut-être que je le finirai avant de retourner sur du Star Wars. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Mais la chose est sûre, c'est que je vais reprendre la lecture parce que ça va m'aider à dormir. En ce moment, je dors un peu mal, peut-être à cause de l'examen aussi, mais je ne sais pas. Là, j'ai fait une petite pause parce que je suis bloqué sur la partie 2 de ma fanfiction et j'ai enfin trouvé une solution. En voyant la meilleure série animée Star Wars Clone Wars. Eh ben, alors déjà toi tu varies entre
entre la lecture et l'écriture, mais c'est bien parce qu'au moins les deux peuvent t'inspirer. J'ai des examens aussi la semaine pro. Alors attends, des examens de quoi? Je te vois venir là, Scan. Je sens qu'avec toi, ça sent un petit peu le... je sens qu'il y a une petite joke derrière. Ah, c'est nice. Ah, ou alors, t'es totalement sérieux. Mais bon, là, on est quand même le début de l'année. Après, je sais pas si t'es étudiant. Oh, c'est nice, ça. Je dis merde pour demain. Bah, merci. Plutôt, may the force be with you. Ouais, ou si tu veux le faire à l'anglais, tu dis break a leg. Non, may the force be with you, c'est mieux. J'adhère, j'adore, merci. Heureusement, Star Wars est là pour illuminer mes journées. Ah, bah oui. Enfin, j'ai... la scène d'intro pour ma partie. D'accord, bah c'est bien. Bah écoute, si t'as de l'inspi, tant mieux. Ah mais je suis pareil, moi ça fait plusieurs mois que je n'ai plus relu parce que j'ai trop de choses en tête avec la vie quotidienne à côté. J'ai envie de relire depuis quelques jours là. Bah voilà, bah tu vois, c'est par phase. Et il faut juste se redire, bah tiens, une fois que t'as mis un peu de tri dans ta vie, on part en live philo là, limite, on joue pas. Mais il faut que je me discipline. Je vois des messages, j'ai envie de les lire. Mais il faudrait que j'arrête de tout lire et que je prenne un moment après pour vous lire. Mais quand on est dans le feu de l'action, des fois, c'est bien de les lire sur le moment. Donc, il faut que je trouve un moyen. Je sais pas. Ou alors, il faudrait que le chat il soit sur l'écran ou je sais pas comment. Il faut que je me démerde. Mais ouais, c'est ça. Enfin, moi, je vais m'en mettre à lire et puis bah, je te souhaite d'y arriver aussi. Il faut mettre de côté un peu ouais, ces problèmes ou les résoudre et puis après, passer les étapes. Je suis étudiant en fac de sciences. Ah, donc il n'y avait pas de joke. C'est pas des gros examens, mais je veux pas les fail. Bah, t'as bien raison. Bah, écoute, je te souhaite d'y arriver. Je te dis merde aussi pour demain. Pour demain, c'est demain? T'as dit que c'était demain, non? Ou la semaine prochaine, je sais plus. Je suis en galère actuellement, donc beaucoup de stress quotidien. D'accord. Bah, écoute, je souhaite que tous tes petits tracas du quotidien puissent s'apaiser, que tu puisses passer au travers et que... Et que bah tu y arrives quoi. T'arrives à éclaircir ton esprit pour voir clair dans tout ça. Allez, moi je reviens dans une petite demi-heure à la fin de mon service. À tout à l'heure. Et bah à tout à l'heure, Wellston. Allez. Un peu de sérieux. How's the new guy doing? Bit of a talker, but good enough. Tu vois, il parle un peu trop. Bah oui. Take it. Gab slashed the yacht. Senator can't call for help, but he's locked in pretty tight. You trying knocking? Batista! Batista! Oula, qu'est-ce qui se passe? I just bet the twins that the senator had you in there stuffed and mounted. Hey, I want a cut of that. Hey, Cap, if you die, I get the mantis, right? Sorry, Gabs, not mine to give. J'aime bien sa voix, Cap. So, what's the plan? That yacht's a side in our Rim City. The senator has military intel on his personal terminal here. Could give us a fighting chance against the Empire. Je veux le voir en live action. Captain secured blast doors. Even the twins can't. En plus, son acteur lui ressemble. Enfin, how are we getting in? You fellas got the yacht down, jetpack. Then I'll work my slicer magic with my lovely assistant. I'll grab a transport. Be back before you know it. Yeah, il y a un petit peu de graphique sur le second plan. Ah ouais? Ah, j'ai pas vu. Vas-y, j'ai pas vu ça, tiens. Peu importe comment la race s'appelle. Twins. Get Cal across that gap. Good job, Batista. Après, ma solution n'aura pas la moindre référence. Use it. Copy that. Attends, j'essaie de me concentrer, Bucky. Je vais quand même te lire. Ma solution n'aura pas la moindre référence de... Je sais pas. Pas de panique qu'il y ait quelqu'un qui crie « Hey, mais tu as copié ça de Penoise. » Ah, ok. D'accord. Attends, je crois qu'il faut que je les aide à pousser. Non mais la force en fait. J'ai même pas eu besoin, vous êtes trop fort. Thanks twins. Cheetah. Keep your eyes sharp. Bon, on va essayer d'avancer un peu parce que sinon en fait. Si on fait. Je fais comment là? Ah, parce que si on fait en fait que. Parler, même si j'aime bien parler, hein, c'est ça le problème, c'est que j'aime. Wow! C'est que j'aime trop parler. Hein. Mais si je fais que ça,
on va mettre 2 ans pour finir Survivor. Enfin, je veux dire, moi ça me va. Hein. Je suis pas pressé, mais bon. J'ai quand même envie de voir. On va dire que ça m'aidera à patienter au prochain. On va dire ça. Mais j'avoue que déjà là, tu pourrais avoir des belles photos à faire. Alors là, je peux pas bouger. Ah si. Ok, donc là, je peux m'accrocher. Oui, très bien. Dizaine. Waouh. Attention, Cal, à ne pas tomber. Oui, oui, oui. On va essayer de... On va essayer de le garder en vie, notre cher Cal. Ah, et là, je peux faire ça. Ok. Ça me rappelle le pouvoir de la force. Le design du vaisseau ressemble un peu à celui de Dark. Wow. Wow, wow, wow. Vous voyez, ce genre de truc, je trouve ça impressionnant. C'est le genre de truc un peu... grandiose, bah, qui fait partie de l'ADN de Star Wars, mais qu'on retrouve dans ce jeu. Rien que déjà l'intro, c'est un truc de fou. Donc t'es à deux doigts de finir Survivor 25 heures en avance. Attends, comment? Ah, parce que tu veux dire que j'ai failli me faire écraser par le vaisseau? C'est la même compagnie qui l'a construite. Ah. Attends, mais là je peux m'accrocher, là. Voilà. Alors là, ça me fait penser à du Crash Bandicoot. Voilà. Crash Bandicoot, tu rajoutes les pommes, les petits bruits. On puisse faire la toupie là et Crash Bandicoot. Oh là là, sans toucher le sol, mais vous avez vu ça? Non, c'était une vanne quand t'as failli tomber. Ah. Là, c'est pour ça que je dis que c'est important des fois de lire le chat en même temps. Alors attends, elle m'a dit quoi là, tu vois? Voilà, mais j'aime bien vous lire, mais par contre, j'aime pas les lire eux, apparemment. Je pense que je peux m'accrocher là. On est d'accord, hein? Est-ce qu'on va finir Survivor 25 heures en avance? Attends. Oui, bah oui, de toute façon, faut que je monte sur le vaisseau, donc il n'y a pas 36 milliards de solutions. Voilà. Oula, oui. Ok, donc là je peux rien faire en fait. Hein. Si, je peux aller là? Non, oui. Si, je peux aller là. Oui, oui, t'inquiète, j'arrive. Ça va le faire. Ah, voilà. Oui, j'ai un peu galéré, piraté. Attends. On va pirater. Oh yeah. Donc en fait, j'ai monté tout ça alors qu'il y avait une passerelle ici, quoi. Ah là 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 là. Non, je sais, vous êtes placé après. On peut monter sur le vaisseau, non? Ah oui, on peut. Ah, j'aurais pas pensé. Bon, y a des petits bugs, mais ça va. Ah oui. Ah quand même. Écoutez les gars, je m'amuse un peu là. Vous me laissez faire, non? Oui. Parler à côté. Je suis un peu proche de toi quand même. Pas très aimable, mais bon. Très serviable. Oh, l'intérieur. Mais je trouve le jeu vraiment beau. Enfin, je le disais plein de fois dans la première partie, mais vraiment les textures et tout. Et ça donne envie d'y être, quoi. T'as envie de t'asseoir et tout. Non, franchement, c'est super, hein. Attends, oula. Non, mais au pire, j'écrirai moins souvent. Ah, mais non, c'est pas ce que je dis. Moi, j'adore lire et j'adore répondre, quoi. Mais ça va pas trop avec un stream, tu vois. C'est ça mon problème. Je dis beaucoup de bêtises par habitude. Ah, mais tu peux, moi, ça me fait rire. Ce qui manque un peu dans les jeux vidéo Star Wars, c'est une séquence en motojet. Comme dans les jeux de Jedi Academy, où tu avais tout un niveau en motojet. Sous la musique de l'hyperdrive, ouais, ben peut-être des trucs un peu, ouais, en vaisseau, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de trucs où on est en vaisseau, on va vite, on slalom et tout, ça peut être simple, ça pourrait être sympa. Je tourne très bien, c'est cool ça. La version PC était catastrophique au lancement, c'est mal optimisé. Ben moi je suis sur PS5, au moins je sais que ouais, j'ai pas de problème, quoi.
Même aujourd'hui, c'est pas terrible apparemment. Le jeu est magnifique, surtout au niveau de l'éclairage. Ouais, je spoil pas, mais il y a deux zones en particulier. Ah ouais, non mais j'imagine, non mais le jeu est vraiment beau. Mais je sais que sur PC, des fois, ouais, il y a un peu de complications. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été plus console, moi. Au moins, je sais que j'ai pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on va y découvrir? Ah tiens, il est là, lui. I knew he had unfinished business. Le beau. Give us your terminal passcode. Impossible. They'll execute me. Maybe I could change his mind. Oh oui. Sur R1 pour utiliser une ruse mentale sur les personnages avec un indicateur au-dessus de leur tête. You will give me access to your terminal. Ah, ça c'est bien. I can't. Ah ah. Confiance, récompense. Quoi? Confiance? You can trust us. We're all friends here. Unlock it. We're all friends here. I can trust you. I will unlock the terminal. Voilà, il faut faire confiance, tu vois? Et là, ça va mieux. Toujours comme ça, c'est de l'empathie. Tu fais confiance, la personne, elle te trust. If he moves, blast him. Oh, my pleasure. All right, BD. Let's see what we got. BD. Everywhere. Not the breakthrough we were hoping for. Years of fighting. Attends, c'est quoi tout ce qu'on voit là? Nothing we've done has slowed them down. What did you expect? You're lost. The Republic is dead. It was killed by politicians just like you. Do you think I wanted Utapau to join the Empire? Ah, c'est tous les systèmes qui ont rejoint l'Empire. The compromises I made created a future for my people. I've been to Utapau, Senator. They spit your name out like a curse. At least they are alive! Why fight when you can't win? Surrender tastes bitter at first, Cal, but sweetens with time. Free me, and we'll cut a deal. Bien sûr. No, Senator. Someday when your children see this, they'll know the Jedi never stopped fighting for them. How disappointingly naive. Hey, the twins are getting that ravenous look. Let's wrap it up before we have another Karita incident on our hands, yeah? What about him? He's coming with us. Okay, let's take their food to go. C'est au terminal, c'est un Coruscant. Ah, j'aime bien lire ces petits trucs là. Attends, mais ça j'avais déjà lu. Les niveaux inférieurs de Coruscant Capitale Galactique sont... Attends, entrée associée. Ah ouais, t'as carrément des trucs... Sont insalubres et dangereux, l'honnêteté y a totalement disparu. La moindre gargote doit graisser la patte des chefs des gangs locaux. Le pot de vin est une monnaie aussi valable qu'un tir de blaster. Les Datari feront l'affaire. C'est nouveau le Mind Trick, c'est un très bon ajout. Ouais, c'est ce que je me suis dit, tiens, ça n'a pas été fait avant. J'espère qu'ils vont étendre les possibilités de Mind Trick dans le troisième opus. Bah ouais, pourquoi pas, parce qu'après là, si c'est que ça, après je sais pas comment... On l'utilise au quotidien dans le jeu, quoi. Sans spoil, c'est l'occupation impériale à travers la galaxie. D'accord, ok, donc c'est ce que je pensais. Ouais, c'est les systèmes, en fait, qui ont rejoint l'Empire. Ok. On va te donner des morceaux de ce qui s'est passé entre le premier et le second jeu. Ah, ok, j'en dis pas plus. Ok, c'est très intéressant. Attends juste que je me souvienne. Oui, c'est ça, on est dans, entre le 3 et 4, là. Hein. Sénat Galactique, aussi connu sous le nom de Sénat Impérial, est l'instance dirigeante de l'Empire, et avant cela de la République.
Puis la transition vers l'Empire, le pouvoir du Sénat s'est lentement érodé. De nombreux sénateurs s'adonnent désormais à la corruption pour récupérer le pouvoir politique qu'ils ont perdu. Je sais qu'il y avait le mind trick dans les jeux Jedi Knight, mais c'était compliqué à placer en plein combat. Jedi Knight, je pense pas que j'ai... Enfin, scanner. Scan, mon petit. L'Empire Galactique est né de la réorganisation de la République Galactique suite à la purge Jedi. Il est dirigé par l'Empereur Palpatine. De plus en plus autocratique et brutal, l'autorité de l'Empire n'est plus liée à la diplomatie, mais aux longues colonnes de Stormtroopers. Bien. Allez, on va retrouver les jumeaux, là. La guerre des clones. Alors, la guerre des clones a commencé avec la première bataille de Geonosis et s'est ensuite transformée en conflit à échelle galactique. Elle opposait la République Galactique et la Confédération des Systèmes Indépendants et elle a consumé la galaxie pendant 3 ans. La guerre a finalement pris fin lorsque les dirigeants de la Confédération ont été acculés et vaincus. C'est au même moment que les membres de l'Ordre Jedi ont été considérés comme des traîtres et exécutés en masse, alors qu'ils avaient combattu en tant que généraux pour la République. Après la fin de la guerre, la République a été restructurée en Empire Galactique avec à sa tête l'Empereur Palpatine, nouvellement intronisé. C'était des jeux centrés sur le Nouvel Ordre Jedi et Luke après la trilogie originale. Tu ne vois pas ce que c'est. D'accord, ok, merci. Lucky you, Senator. You've got a date with Saw Gerrera. He'll kill me. Oh, lasso. Oh, I don't know about that. Depends on whether you cooperate. That's a skill Senator's prize, right? Cooperation. Mais là, est-ce que je dois vraiment... Oui. I've changed my mind. We should always target the Empire. Yeah. Feels good to make a difference. No, they're loaded. Filthy rich. Make the huts look clean by comparison. I bet this senator has more credits. Whoa! C'est pas ça. Il était repéré. What took you so long? Why you've been chasing shadows? I have been stopped. Ah oui. Bah a plus. Oh, c'est qui? Oh, c'est un. Ah. Mais lui, il était dans le premier, lui. Ah oui, elle. On lui avait pas fait la peau, elle. Elle était peut-être pas morte. Castus. Inquisitrice. Open fire! Pétard. Get the cover! Deferic Inquisitor! C'est bordel. Ah. Look out! Ouh, elle a ramassé. Ah ouais, là, elle est HS, là. C'est fini, là. Oui, il est énervé, là. Help, gotta go. Non, plus maintenant, je pense. Come back. Te laisse pas envahir. Now, te laisse pas envahir, non. Non, parce que sinon, après, je vais devoir faire un combat, moi. Oh, ce bordel. Et bah, voilà. Il fait comme Yoda, il tombe dans les tuyaux là. Wow, 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 wow. C'est bon ça. Attends. Après avoir travaillé ensemble pendant des années, le lien entre BD-1 et Cal ne fait que croître. Doté d'un assortiment d'outils, d'exploration et d'une loyauté inébranlable envers Cal, BD est l'ami le plus proche des Jedi. Du Jedi. Fin du match. Oh, alors mon Parisien. Dis-moi tout. Dis-moi tout, mon Parisien. Donne-moi le score. Quand je regarde pas les matchs de l'équipe de France, en général, ils perdent. Mais en plus, là, c'était contre les Pays-Bas. J'ai des bons souvenirs de ce jeu, de ces jeux, mais je détestais Luke dedans. Il était trop apathique. On aurait dit un robot. D'accord. Après, peut-être à l'époque aussi, ils avaient moins la possibilité peut-être de l'écrire tel qu'ils le voulaient. On l'avait vu chuter d'un arbre sur Kashyyyk, mais sa mort n'était pas confirmée. D'accord. Pour la petite anecdote, le sénateur Sejan
beaucoup de personnes pensaient qu'il allait être l'antagoniste principal du jeu. Si tu regardes mon premier stream, tu verras que je disais que lui, je pensais que ça allait être l'antagoniste principal du jeu. Donc voilà. J'arrive pas à croire que je suis en train de louper ce moment. Ah, ben je t'attends si tu veux. Victoire de la France 2-1 avec un doublé de Kylian Mbappé. Oh non, je suis trop deg de ne pas avoir vu. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je verrai la rediff. Oh, génial. Attends, dis-moi, Parisien, comment ça s'est passé? Qui a marqué d'abord? Qui a marqué ensuite? À quelle minute? Raconte-moi tout. Vas-y, lâche-toi. Mais non, m'attends pas. Non, mais t'inquiète, je vais pas faire patienter tout le monde. Android Pref, c'est mon petit bébé, et oui. Et Chopper aussi. Ah, moi, c'est R2-D2. Ça restera R2-D2. Allez. Oula, attends. Moi, j'ai pas envie de me faire déchiqueter. C'est quoi, ça? C'est quelque chose de pas vivant, en tout cas. Alors, là, on va... Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, donc celle qui est morte. Ah bah, oui. Bah maintenant, oui. Pirate formé par un syndicat. Gabs ne rechignait pas à s'enrichir. Voilà, c'est dégueulasse. En affrontant l'Empire, confiante et courageuse, Gabs profitait de toutes les occasions pour démontrer sa supériorité face aux pirates impériaux. Désolé, je suis dégueulasse un peu, mais... pas vraiment. Le Luke Skywalker, après la croisade noire Jedi Fall, Luke devenait de plus en plus cheaté et sans aucun défaut, il n'était plus du tout intéressant. D'accord. Mbappé, le premier à la 7e minute, d'accord. Le 2-0 à la 53, réduction du score à 93e. D'accord. Bon, mais ils sont bien joués. Mais on est qualifié. La France est qualifiée là, pour l'Euro maintenant. Ça y est, c'est acté. On a tellement tout gagné. Ils auraient dû écrire la bio de Gab au passé. Bah oui, tu vois, c'est pour ça que je fais le travail à leur place. Pareil pour les jumeaux. Bah oui. Non, mais t'inquiète, on se charge de faire leur boulot. Les jumeaux Clatouinien, Cobb et Lise faisaient tout pour leur amicale. Leur loyauté n'a d'égal que leur faim insatiable qui leur attirait souvent des ennuis. Non mais t'inquiète, on s'en occupe. Oula, attends. Non, aïe. Mais je t'ai vu sauter vers les murs marqués pour effectuer un saut miroir. Attends, et si je le fais pile au moment, ça revient sur lui, c'est ça. Et là je peux... Ah mince, non. Je savais. I knew it. Attends. Non, attends, comment je fais déjà? Comment je lance? Ah oui, comme ça. D'accord. Oui, 6 matchs, 6 victoires et 13 buts marqués et un encaissé. C'est magnifique. Un encaissé? Contre qui on a encaissé un but? En général, le rouge dans Star Wars veut dire danger. Oui, ça c'est pas fou ça. Ah, attends, par contre, pour effectuer un saut mural. Alors, je veux bien faire un saut mural, mais entre lequel et lequel? Je cheat le jeu ou... J'ai cheaté le jeu ou c'est comment? Non, je pense qu'on pouvait grimper, tout simplement, fallait sauter. Ouh, ça sent un petit boss par là, non? There's only the force. Posture, se reposer. Ah bah oui, aujourd'hui, putain. Mais oui, ils en ont encaissé un aujourd'hui, je suis con. Donc c'est la première fois, en fait, que Maignan encaisse un but, alors. Et ouais, première fois. C'est quoi ces lumières, là, c'est... Ah d'accord, ça vient de là-bas. Bon, là, je suppose que... Ouais, c'est au mur, quoi. Oh non! Alors attends, toi. Non. Mais il fait peur! Mais attends, t'as vu comment il me. Attends. On va s'entraîner.
Ah, ah non. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok, ok. Ok. Aïe, aïe. Je n'ai plus de vie. C'est pas grave, je vais essayer quand même. Le but, c'est d'essayer de la voir sans utiliser un... Allez, bim. Bon, là, on va quand même en utiliser un. Après, le problème, c'est que... Comment on organe, à part en méditant, je sais pas. Merci, Bucky. Anecdote numéro 2. Le droïde n'avait pas de pistolet blaster dans le premier jeu. Il devait en avoir un, mais les devs... Ah, ils n'ont pas eu le temps. Donc c'est pour ça que là, il en a, parce que je me disais d'habitude, ils n'en avaient pas. Du coup, ils l'ont mis dans le 2. Ah ouais, ok. Stem canister. Ah. Prove useful. Ah oui. Ah, c'est comme ça qu'on en trouve. Bien, dans des coffres. Ça, c'est bien. Ah, mais c'est augmentation du maximum en plus. Oh là là, mais c'est bon ça. Mais ça m'indique toujours pas... Attends, c'était optionnel ici? Ah, mais c'était optionnel ici? Ah oui, c'était un petit boss pour... Ah, c'est bien ça. Mais est-ce que c'était réellement optionnel? On se reposait quand même. Si on doit refaire le boss. Hein. Tu es en quelle difficulté? Chevalier Jedi? Je crois. Je crois que je me suis mis quand même assez haut. Comme dans Fallen Order en fait. Parce que Fallen Order, je m'étais mis un peu bas au début. Puis je trouvais que j'avais pas assez de challenge. Puis après, quand j'avais augmenté, c'était mieux. Maître Jedi, je suis. Eh ouais. Eh ouais, attends là. Attends, ça y va fort là. Non, ouais. Chevalier Jedi, je trouvais ça compliqué, mais pas assez. Et là, j'ai voulu me challenger quand même. Ils ont donné une explication de pourquoi BD-1 n'a plus autant de steam qu'avant. Oh, bah c'est pour la question du jeu, ça. Oui, c'est bien ça, t'as le point en bas à gauche de l'écran des postures. T'as le point en bas à gauche de l'écran des postures. Ah bah non, c'est Maître Jedi. Il faudra que je m'y fasse à ça. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as fait en Chevalier Jedi, c'est ça? Le point en bas à gauche, explorer. Ah, non. Là, c'est quoi que tu parlais? Non, laisse tomber, c'est un indicateur. D'accord, mais... là, il faut que j'aille là-haut. Hein. Ouais, il faut que j'aille là-haut. Ah, est-ce qu'en fait, il fallait pas genre monter? Et il faut que je m'accroche à un truc comme ça, là. Je vais m'accrocher à tout dans le jeu. Ah bah non, il fallait juste aller là. Loul. Oula. Mais vas-y. Mais oh, mais c'est pas vrai, je suis une brêle. Bon, débrêlons-nous. Voilà. Soyons concentrés. Ne faisons qu'un avec la force. Pour le moment, c'est pas ça. On ne fait pas qu'un avec la force, mais on va y arriver. Wow. Bon. Je fais honneur à Wellstone, je papillonne. That way's blocked. Ok. Come on. Porte laser. Une barrière d'énergie similaire au bouclier rayonnant, largement utilisée pendant la guerre des clones, elle résiste à presque toutes les formes de matière et est donc presque infranchissable sans détruire ou désactiver sa source d'énergie au préalable.
C'est un ajout tout con, mais tu peux savoir ta difficulté en regardant l'icône de posture en bas à gauche de ton écran. Tu veux dire que si jamais je suis en chevalier Jedi, ça change. La posture est genre différente. D'accord. Ok. Un peu dommage sinon parce qu'ils auraient pu trouver une justification qui rentre dans la diégèse de l'histoire comme dans Zelda. Ok, avec le... Je sais pas si je dois te lire là parce que... Ah, pourquoi Link a... Bon, tu spoil pas. Pourquoi Link a perdu tous les cœurs qu'il a récupérés? Ok. Après ça, bon... C'était une anecdote inutile. Bah non, clairement pas. Mais... Bah, j'ai envie de te dire, Bucky, tu vois, ça fait... Tu vois, ça, pour le coup, pourquoi est-ce qu'on peut avoir pas de... C'est clairement un truc que je m'en fous, en fait. Mais vraiment, je m'en fous, parce que c'est une dynamique de gameplay. Attends, il y a un ennemi là-haut, là. Il va traverser le... Il va traverser le plafond. Il va y avoir un combat, là. Et voilà! Bon, là, c'est intéressant. Et alors? Allez, bim! Tu l'as vu, celui-là? Aïe! Ah non, par contre, lui, je l'ai vu, lui. Ouh, il a fait très mal. Non, faut que j'arrête de faire le malin. Ouah. Oh là là! Eh, mais ça va, hein? Ça va, je suis pas trop mauvais. Bon, je peux clairement m'améliorer, mais... Tu sais, je peux faire une charge, non? Attendez, pause. Je crois que je peux faire une charge, non? Posture. J'avais débloqué le tout premier truc que tu débloques. Lancer ça. Ah, frappe plongeante. Ah. D'accord. Merde. Non, on n'utilise pas de Steam. Je dois y arriver. Mais j'ai fait la frappe plongeante, il l'a pas fait. Ah, mais parce que j'avais pas assez de force. Soignez-vous, qui me dit. Non, je ne me soignerai pas. Voilà. Voilà. Not today. Bon, on va se soigner quand même. Ah mince, t'as vu l'ennemi en avance. Ouais. Parce que je prends beaucoup mon temps là, donc j'ai le temps de voir. Ça m'avait surpris étrangement. Ah bah ouais, parce que c'est sûr que là, si tu fonces, tu le vois tomber. L'entrée était classe. Oui, oui. Là, au moins, on l'a bien vu. Petite astuce, le sabre simple a deux attaques lourdes. La frappe plongeante est très utile quand la garde de ton ennemi est vide. C'est ça ? Elle fait beaucoup de dégâts. Ah, donc il vaut mieux le faire, en fait, quand il est déstabilisé. Bon, ce n'est pas pour demain que tu pourras affronter le comte Dooku. Non, mais on y arrive. On y arrive. La deuxième attaque, celle où tu appuies simplement sur le triangle, c'est utile pour baisser la garde. Ah, GG, merci Parisien. Ah, donc ça, c'est pour baisser la garde. Alors que ça, c'est vraiment pour faire mal. Mais ouais. Ok, ah bah c'est utile ça, merci. Ça peut bien nous aider ceci. Ouais, L1 pour éclairer avec ton sabre laser. On va se la jouer à la Rocky, là, on va taper dans les bouts de viande. Attends, je peux aller là, mais je peux aller là aussi. Où que je dois aller?
qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est classe. Mais c'est quoi, une mémoire? Essence de force obtenue. Ah, ça m'augmente ma... Ah ouais, c'est bon ça. Ça m'augmente ma force. Bah écoute, on ne va pas dire non. On peut couper les bouts de viande. Ah ouais, ah non, mais là non. Vous pouvez pas me dire qu'on peut faire ça. Parce que alors là, bah, c'est bon. Hein. Là, je m'amuse. Oh, deux. Non, mais non, moi, je peux pas. Moi, je reste là. Bon, après, évidemment, il n'y en a plus. Bon, voilà. Be ready. Coucou monsieur Genard avec les salons supérieurs. Mais il est encore là-dessus celui-là. Salut Vanji. C'était pour la vanne. Je sais Doku est mort. Oui, oui. Oui. Il n'y a plus toute sa tête. Oui, techniquement, il n'y a plus toute sa tête. Oulala, maintenez R1 et appuyez sur rond pour désorienter temporairement l'ennemi. Et le faire combattre ses alliés. Ah ouais. Génial ça. Fight with me. Non attends. Voilà, allez, entretuez-vous. Allez, je vous plante. C'est beau ça. Ça c'est beau. Allez, on les a rangés. Voilà, vous êtes bien là. Est-ce qu'il y a du ragdoll? Non. Non, vraiment pas. Oh, confus, quoi R1, rond, oui, pour donner un T. Oui, d'accord, ok. Ça, c'est ce que j'ai appris. Très bien. Très, très bien. Alors. Tiens, on va pouvoir s'accrocher à des choses. Ça, c'est ce que je voulais, ça. Ça, c'est ce que je voulais, ça. Ah, c'est bon, ça. Ça va pas durer longtemps. Et oups! Bon baptême de l'air. Ah! Wow, 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 wow! Attends. Attends. Non, mais si on a. S'il y a des tirs. Wouah! Wouhou! Je sais pas comment je fais, mais. Bon, mais je veux. Ah! Je veux changer de. Mais comment je change de sabre? Je veux le deuxième sabre! Pourquoi il me prend pas le deuxième? Voilà! Non. Bah alors là, mais... Ah ouais, non, mais là, c'était compliqué, là. Vous avez vu tout ce qu'il y avait? I'm here! Ah bah c'est bien, t'arrives au bon moment. C'est bon, tu peux casser des bouches. Bah oui, mais là, j'ai été déstabilisé. T'as vu tout ce qu'il y avait, là? En plus, je voulais mettre mon double sabre, il se mettait pas. J'ai pas compris, là. Ah oui, c'est vrai qu'en mourant, tu perds l'XP. Oh là là, faut que j'aille le retrouver, j'étais trop loin. Le pied bouche. Bonne chance. Ah bah c'est mort. Ouais, non mais là... On a revécu l'heure 66. Mais c'était ça? Afficher des dégâts à l'ennemi qui vous a vaincu pour restaurer l'XP perdu? Oh, non! C'est lui là? Oh là là! Non mais je vais jamais récupérer mon XP. Attends mais je suis là? What? Mais c'est super loin. Ah oui, non mais bah là c'est du Souls-like là. Ah bah oui là. Non. Ouais, t'as cul. Bon, alors attends. Oui. J'avais déjà fait l'erreur. Attends, il va encore y avoir l'ennemi? Non. Oh si. Oh non. Mais non. Ah, ça marche pas contre lui, évidemment. Ah!
Allez, tiens, prends ça. Voilà, ça c'est pas mal. Ouf. Oh, les bouts de viande. Non, non, on n'est pas là pour ça, faut qu'on récupère notre XP. Enfin, oh, oh, oh. Non, là, non, ça, ça va. Non, mais là, mais comment? Ma mère. Oh, bon, au moins ça t'entraîne. Toi qui voulais de la pratique, mais oui, carrément. Calme, jeune padawan, reste concentré. Oui. Easy, oui, bien sûr, Walter. Il faut beaucoup de réflexes et une bonne maîtrise des différents pouvoirs en grand maître. Ouais, 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 bah, je vais m'y faire. Ouais. Practice makes perfect. Exactement. C'est bien, vous êtes des bons conseillers, tous, là. Ça m'encourage. Ah, c'est rond, putain, qu'il faut que je fasse. Brochette. Et là, par contre, ouais, là, j'ai pas pu. Soleil. Il y a du soleil. M'agresse le soleil. Attendez. Agressé par le soleil, voilà. Attends, j'ai des, si, si j'ai du soleil dans les yeux pendant que je vais faire cette phase, là, je vais jamais m'en sortir. Oh là là. Oh là là là. Non, mais il te jette dans la gueule du loup, là. Stratégie. Stratégie, stratégie. Ce qu'on va faire, c'est que on va pas aller dans la gueule du loup. On va essayer de se caler à un endroit. Allez, vas-y. Oui, oui, laisse-moi me calmer. Salut, AG Silas. Salut, ça y est, j'ai retenu ton pseudo. Allez, allez, allez. On va y arriver. Protect me. Ok, toi tu vas. Là. Non, non. Ah. Là. Profite pour. Dégagez. Ah, ça marche pas. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Oh, je suis un boss. Non, bah non, le jette pas quand on te mitraille. Eh, mais j'ai géré là, non? Attendez, attendez, qu'est-ce qui se passe? Attendez, on va pas rendre la peau de l'ours avant le... Oh, 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 sans t'es récupéré. Tu veux tirer, mon gros? Tire. Allez. Je fais mon malin. Allez, tire. Ben oui, tire, c'est bien. Allez, viens là. Allez, allez, allez. Bah, t'es vraiment. Toi, tu veux pas tirer? Tu m'as pas vu? T'inquiète, je viens à toi. Allez, 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 allez. Tu sais quoi? Je viens à toi en mode classe en plus, si tu veux rien. Allez, tac. Je vais arriver au-dessus de toi, mon gars. Tu vas manger. Non mais j'ai fait ça toute ma vie. Ah là là. Tu t'en sors bien, merci. Bonne maîtrise de double lame. Ouais, ben en fait, je crois que je préfère avoir le double lame que le unique. J'arrivais pas à me le mettre dans le cerveau, ça. Je me disais, ah, j'aime bien jouer avec le double lame, mais allez, on va le faire au classique. Mais en fait, je préfère carrément me battre au double lame. Tu vois, easy, ouais. Toujours écouter Wellstone. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ce jeu est bien. Ben, maintenant que tu le dis, je trouve que t'as raison. J'ai pas remarqué. Il était vraiment perdu, ce Stormtrooper, ouais. Et ben voilà, 10 points pour la maison, oui! La double lame est très bon pour les fights d'ennemis en groupe. Ouais, c'est ça. Je pense que si t'es en fight contre quelqu'un qui est seul, ouais, c'est peut-être mieux le... Mais même tout à l'heure, le gars, je l'ai battu quand même en double lame, hein. Il était tout seul. Bon, voilà. Et on a quand même géré, on a récupéré l'expérience. Regardez ma vie. Regardez ma vie. Pas touché. Pas touché. Une fois. Non mais attendez, vous m'auriez dit que j'aurais fait ça, jamais j'aurais cru. En maître Jedi. Bon,
On va éviter de se... I'm done with this place. De trop se laisser pousser des ailes. Je sais pas si je le fais bien le... Oh bah... Mais on n'en a pas besoin de méditer là, on a toute notre vie. Ah si, on va sauvegarder quand même. Bah en fait, là ça sauvegarde automatique, hein. On est d'accord. Les points de compétences, on verra plus tard. Accumulons d'abord du savoir, des compétences pour plus tard. Let's move. Voilà, comme il dit, let's move. Je veux que Jedi 3 sorte demain. Alors, je peux essayer de contacter ceux qui font le jeu. Je doute que ça passe, mais je peux essayer, tu sais, qu'ils tentent rien, rien. En combat singulier, ouais, tu vas voir, c'est une galère. Ah, ou en tout cas, il y a une meilleure posture. Ouais, donc plus mode sabre simple, quoi. Oh, ça, c'est bio. Comme je le disais, c'est Coruscant et pas très bio de base, mais c'est bio, là. Est-ce qu'on peut... Ouais, d'accord. La distance est bien respectée. Aide-toi de la force, ressens, ne pense pas. Pie-toi à ton instinct. C'est quoi, j'ai l'impression d'être au kung-fu quand tu dis ça. Donc ça fait écho avec mon examen que j'ai demain, là. C'est... Tes conseils, tes préceptes vont m'aider même pour demain, tu sais quoi. Et puis tu sais que maintenant, j'y repense à ce que tu disais aussi, Wellstone, que tu vois, ça fait penser à la force et c'est vrai, en fait. Je me fie beaucoup à des préceptes que Yoda nous apprend dans Star Wars, genre, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. C'est vraiment des trucs que j'applique, en fait, au quotidien. L'échec est le meilleur des maîtres, tout ça. Ah oui! C'est ce qu'on appelle une entrée fracassante. Oui. Cal, t'es fier? Good to see you. Right. Oui, bah oui. Spoke too soon. I'll take the Inquisitor. Keep that other gunship. Ah, d'accord. On va se retaper la 9e sœur. Très bien. Très très bien. Vous voyez, c'est ce genre de séquence là que je trouve incroyable. Là, ça fait mal ça. Wow. C'est moi ou son sabre, il est énorme. Est-ce que c'est parce que je l'ai mis en double lame ou il y a quelque chose comme ça, non? Tu veux dire que dans la cinématique, ça garde le fait que je l'ai gardé en double lame? Ah bah voilà. Alors là, vous me conseillez quoi? Singulier ou double lame? Je vais essayer double lame. Parce que je me suis quand même bien fait au double lame, mais bon. Ok. Oh waouh! Mais je t'avais déstabilisé, wesh! Oh. Oh, ça fait super mal là! Qu'est-ce que je me suis pris? Attends, on va essayer la munique. Mais... En fait, tu t'en bats les couilles. Aïe, 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 je l'ai pas. Bon, je me soigne. Faut que j'observe le pattern. Pattern. Ah, ah, ah. Pattern. Mais tu n'as pas de pattern. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Impressive. But you're hurting bad inside, Kestis. Oh. I can sense it. Tout va bien.
All the guilt you're feeling for those fools you led to their deaths makes you so, so predictable. Ah oui? On va voir ça. Attendez, je prends un peu de force. Moi, je dis... Fais-le selon ton feeling. Bah, voilà. Là, pour le moment, j'essaye, quoi. J'aime bien... Alors, ce que je vais faire, vous savez, pour histoire de pas toujours tout rattraper les messages. S'il y a des messages que je loupe, je vous autorise à les remettre, mais je vais lire que les messages que je vois sur ma petite fenêtre. Je vais me forcer à ne pas remonter, sinon après, moi, j'en finis pas. Mais ça me fait plaisir de vous lire, mais c'est juste qu'il faut que je m'autorise à moi de louper des messages. Ce n'est pas grave. Kishni, ce n'est pas grave. Donc, j'aime bien comment ils ont modifié le move de la 9e sœur. Ouais. Ouais, bah là, c'est vrai qu'elle est totalement différente. Une, deux routines, ah oui, de 200 kilos, ça se déstabilise pas facilement. Oui, c'est vrai. Par contre, ça me fait chier de devoir apprendre deux versions du même perso sur deux jeux. Oui, toi qui as switché entre l'un et l'autre, bah elle évolue, quoi, comme toi. Ouais. Do or do not. There is no try. Oui. Oui, t'as raison. Je vais pas essayer, je vais le faire. Oui. Là, il faut se le rappeler sans cesse. Avec logique. Ouais, je vais moins écrire, je suis une vraie pipelette. Non. Je dis pas ça pour vous empêcher d'écrire. Je dis juste, c'est moi, il faut que je me discipline, en fait. Et que je me dis, c'est pas grave si je loupe des messages. On n'essaye pas, Kishni. Oui, t'as raison. J'aime bien comment tu es impressionné par le yacht. Tu n'es tellement pas prêt pour le reste du jeu. J'aimerais revivre la découverte. Bah écoute, j'aimerais pouvoir te faire revivre cette découverte à travers moi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'impressionnent dans le jeu. Je trouve le jeu très propre. Aujourd'hui, il y a très peu de jeux en fait, qui réussissent à m'impressionner. Et là, j'avoue que à chaque fois que je vois un truc, Wellstone peut le confirmer à la vue le premier live, je suis vraiment... Bah, des fois, il y a beaucoup de choses en fait qui me... Je sais pas, en fait, je trouve le jeu... Ce que je vais dire n'a aucun sens, mais je trouve le jeu très palpable. Je sais pas comment vous dire. Tout à l'heure, on était dans le vaisseau, je voyais un siège, je disais j'ai envie de m'asseoir. C'est vraiment des trucs, ça fait très réaliste, c'est pas... C'est très lisse, c'est pas pixelisé, c'est pas... Oh, on dirait une texture. Non, t'as l'impression que c'est vrai. Et donc, je sais pas, ça... Toutes les séquences et tout, qu'on voit, les espèces de petites cinématiques qui s'accrochent et tout, je trouve ça génial. Ça, c'est sûr, il est vraiment pas prêt. Ah, ça me hype, mais ça me hype bien. Le jeu, c'est une pépite. Ouais, tu le disais au début, ouais. Bah, j'ai hâte de voir ça, alors. J'ai hâte de creuser la pépite. Ils ont une façon de faire la mise en scène. Ouais, très concrète, oui. Je sais pas comment ils se débrouillent. Ouais, c'est ça, Jessilas. C'est, tu vois, le mot concret, tu vois, il revient dans le truc. C'est vraiment... Il est comme moi tout, il veut du palpable. Oui. J'ai pas pris un tas de photos pour rien. C'est une beauté, ce jeu. Oh là là, si en plus, il nous en met plein les yeux. Allez, on se reconcentre. Ah non, ça, c'est pas du... Pas du jeu, ça. Aïe. Moi aussi, je sais faire. Aïe. Oh merde. J'ai vraiment fait de la mousse. Ah, attendez, faut que je me remette dedans. Elle est vraiment forte. Mais ça, comment? Je peux pas l'esquiver. Mais je peux vraiment... Là, je peux rien y faire, ça. Quoi? Comment elle esquive? Non mais elle a des moves. Pourquoi je peux pas utiliser? Non mais elle enchaîne tout de suite après. Ah ouais, là tu peux rien faire quand elle est comme ça. What? Mais Merci.
wanna run. Ready? Mais... Je sais plus comment. Attendez, comment on lance le. Comment on lance le sabre là? Je sais même plus comment on le lance. J'arrive plus à savoir. Je fais L1 triangle normalement. Mais est-ce que c'est quand j'ai le double? Ah oui, c'est quand j'ai le double. Quand j'ai le simple, je peux. Ah bah oui, parce que sinon il fait pas boomerang. Bah si, pourtant. Mais là, je peux pas. C'est bizarre ça. Pourquoi je peux pas lancer quand j'ai un simple sabre? Il y a un truc que j'ai pas compris là. On va se soigner. Non mais on va comprendre. J'ai l'impression que je fais aucun dégât, on est d'accord. En fait, il faut que je la contre. La chance. Si là j'ai réussi à le lancer. C'est peut-être parce que j'avais pas de force. Ok, ça tu peux. Ah mais attends. Quand elle fait ça, je peux pas utiliser la force. Je crois que c'est ça. Attends. Non. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Bon, je vous lirai après. Je pense que peut-être vous me répondez. C'est vrai que le sabre simple, il fait plus mal. Wow. C'est quoi la difficulté supérieure là? J'ai envie de mettre en difficulté encore plus. Ah, attends. Ah mais il y a ça aussi comme posture. Oh, j'avais oublié. Oh. Tu n'as plus de force. Ah d'accord, c'était donc à cause de cela. Attendez, je vous lis un petit peu là. Là, je m'autorise à remonter quand même. Ouais, j'ai pas eu besoin de trop remonter. Ah bien, le truc où elle éteint son sabre et se focus, c'est nouveau. Je te conseille de pas l'attaquer à ce moment. Ouais, c'est ce que j'ai compris. Ouais, merci du conseil. Le sabre, il te faut de l'énergie de force. D'accord, mais je pensais que... Ok, c'est ça. Surveille ta jauge de force. Ouais, il faut que je vois où elle est. T'as pas assez de force. Ouais, ok, Benji. D'accord. Dans la barre bleue en bas. Ok, c'est la barre bleue. Double sabre, posture du noob. Ah bon? Mais elle est classe. Eh oh, Ahsoka, c'est une noob alors? Pour recharger la force, tu dois faire des parades parfaites, je crois. Ah, perso, ma seule et unique partie, je l'ai fait en difficulté max. Ça change toute l'expérience. Alors, j'en suis peut-être pas là. Parce que Chevalier Jedi, pour moi, c'était déjà pas mal. Là, maintenant, on est en Maître Jedi. Mais peut-être en Grand Maître, tout ça, je sais pas comment ça s'appelle. Tu appelles Ahsoka Noob. Voilà, tu vois. Weston, elle a pensé comme moi. Ouais, non, on verra si je mets vraiment la difficulté max. Mais là, j'ai envie d'essayer, tu vois. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est encore plus compliqué après. Donc, je sais pas si je vais aller là, quoi. C'est déjà bien. Il y a pas mal de challenges comme ça. Si je mets trop difficile, après, j'ai plus de plaisir, en fait. Faut que ce soit un bon équilibre entre c'est pas trop facile et c'est un petit peu dur, mais tu peux t'améliorer. Non, mais je dis ça car elle est très simple à jouer. Ok, et honnêtement, il y a mieux. Par contre, elle est vraiment très stylée. En difficulté max, tu as des shoots d'endorphine à chaque combat. Ouais, ouais, mais je sais pas si j'en suis là. Parce que tu vois, là, j'en ai déjà des shoots, tu vois. Donc, après, j'espère qu'il n'y a pas trop de posture non plus. Parce que, après, quand il y a trop de choix, ça tue mon choix. Moi, j'aime bien qu'on m'impose un truc. Comme ça, au moins, je dois me faire avec ce que j'ai. Si après j'ai trop de choix, tu vois, comme là déjà rien que j'avais deux postures, je fais quoi? Double, simple? Alors là maintenant. Mais ça on l'avait dans le premier, non? Cal peut désormais utiliser la posture du maniement double en combat. La posture du maniement double permet d'utiliser des frappes rapides et une parade de force améliorable. Mais elle offre moins d'endurance totale. D'accord, ouais. Parade de force améliorable, ouais.
Attends, qu'est-ce qui se passe là? Après, faut prendre en compte que c'est différent de jouer quand on est seul et quand on est en live. Ouais, il y a ça aussi. Mais quelque part, j'arrive presque mieux à me mettre dedans en live. Parce que quand t'es seul, tu fais ouais, bon. Des fois, si je meurs et tout ça, tu te challenges pas trop. Alors que là, le fait que vous soyez là à me regarder, je me dis, je veux autant bien performer que tu vois que ce soit quand même un beau spectacle. Donc je me concentre. Tu vois. Et en même temps, moi, c'est gratifiant pour moi parce que quand je vois que je joue bien, tu vois, comme tout à l'heure, quand j'ai pas perdu de vie et tout, c'est bien. Donc pour moi, c'est limite une source supplémentaire, ça. Déjà que c'est complexe de lire le chat. Alors en difficulté max, tu dis jamais ouais. Déjà que moi, en me disant que. Moi, on me disait que je ne vous lisais jamais. Ouais, mais moi, ça, c'est un défaut, c'est que je veux tout lire, alors que je devrais pas. Mais et mon chat est un peu loin, faudrait que je trouve une méthode, peut-être sur mon téléphone, je le mets là tout près, parce que là, tu vois, je suis un peu en mode... Je trouverai une méthode la prochaine fois. Ou alors, faut que j'ai un autre écran en vertical, là, bien gros, là, et que je le vois bien. Ça, ce serait... J'imagine, ouais, je souhaiterais pas jouer à ce genre en live. Bah, c'est sûr que c'est une autre expérience, en tout cas, ça c'est sûr. Je sais que je vais le faire. Bah, je t'y encourage, je viendrai te voir. Peut-être faut que j'y réfléchisse. Bah oui. Partage aussi, ça booste l'expérience de jeu aussi. Ouais, Jessie, là, c'est totalement vrai. En difficulté max, tu sues beaucoup des mains, j'imagine. Ou alors c'est que moi. Non, mais ça doit être possible. Grossis ton navigateur pour mettre le chat un peu... Alors, ouais... C'est ce que j'ai déjà fait. Mais en fait, là, il est au max. Mais c'est juste que mon PC, il est trop loin. Et donc, en fait, ça marche pas, là. Ça marche pas comme ça. Il faut que... Tu vois, si mon téléphone, faudrait que je le mette sur un pied ici. Tu vois, et que je le vois comme ça. J'ai juste à détourner le regard et je vois. Alors que là, je dois tourner toute la tête et il est trop loin. Mais je vais... Là, pour ce live, on va rester comme ça, mais je vais trouver un moyen de faire différemment. Mode hardcore plus le chat apparaît au milieu de l'écran pendant la partie. Ouais, ça ce serait sympa. Bon alors attends, on va regarder quand même comment ça marche. Donc il a dit plus de trucs de force, mais... What? Mais elle a des nouveaux moves à chaque... Non, 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 non. Ça y est. Par contre, les parades, tu peux moins en faire, j'ai l'impression. Waouh. J'avais oublié ça. Aïe aïe aïe. Alors, comment dire? Je veux changer de posture. Je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est très bien. C'est pas grave, faut que je me fasse à cette posture. J'ai l'impression que je peux moins faire de parade avec ça. Oh, je vais mourir. Je vous spoil. Voilà. Ça rallume 5 secondes après. Ce serait cool. Mais là, il faut connaître les ennemis sur le bout des doigts. Mais elle a tellement de patterns. Mais je trouve ça génial parce que d'habitude, ah, t'observes un peu le pattern, ça y est, tu le connais. L3R3, ouais. Le L3R3, je suis pas très fan en boss fight au début du jeu.
Ça aide quand même, mais bon. Et pour ceux qui savent. Ah, ceux qui savent. Maintiens L1 pour bloquer la plupart des attaques ennemies. Non. Pas vrai. Non, attends. Oh, c'est beau. Et par contre, je suis où, là? Je ne souviens même plus d'avoir fait ça. J'espère qu'elle est pas trop loin, hein. L'astuce que donne le jeu sont vraiment horribles. D'accord. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, santé, force restaurée, ok. Wow, mais calme-toi là. Il faut couper. Et attaque pas en même temps. Mais... pas mal, pas mal. On est bien, on est bien. Impressive. But you're hurting bad inside, Kestis. Vous voyez, je voulais mettre en difficulté supérieure parce que je me suis dit, oh, mais ça va, c'était facile. Mais après, par contre, ça va, crescendo. Puis je suis protégé. Bon début. Ouais, merci, ouais. T'as vu la vidéo de... T'as vu la vidéo de Inox Tag, toi, non? Aïe, aïe, aïe. Non, c'est vrai, faut pas l'attaquer. Time to die, Crackle Rat. For the Inquisitorious. Hey, I think. Oh, 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 vous avez vu ce coup? Oh là là, elle a rien compris. Elle a été éjectée. Moi aussi. So tiresome. I'll take your legs off. Peace, Mark, peace. Wow. Bon, ok, donc là faut se faire à cette posture, on n'a pas le choix. Petit Crash Bandicoot, ça marche très bien. Aïe aïe aïe. Non, bon, on va soigner. Je fais n'importe quoi. Juste à appliquer. C'est pas compliqué. Elle t'attaque, tu pars. Voilà. Voilà, tu vois, c'est pas compliqué. Oh là là, elle s'énerve.
Avec la posture, maniement double équipé, maintenez triangle pour parer automatiquement la plupart des attaques, y compris les projectiles. Nécessite de la force. D'accord. J'ai paré là. Ah d'accord. Masana. Elle a mouru. You were a Jedi Knight before you betrayed our order. C'était bien. Je sue des mains. Your name was Masana Tide. J'adore ce calme qu'il a. It's time to set you free. Elle l'a tué. Ah oui, pas que. Il lui a fait une Dooku là. Classe. Très belle cinématique, celle-là. Oui, yeah. C'est à ce moment que j'ai compris que le calme de ce jeu n'est plus le même qu'avant. Mais je suis totalement d'accord. Quand je dis le calme qu'il a, c'est là que tu dis, le gars, il a la maîtrise, là. Ça y est. Les combats sont si gratifiants dans le jeu, mais oui, mais déjà dans le premier, je le sentais, tu vois. Et magnifique cinématique, celle-là, carrément. Très belle performance de l'acteur au cours de tout le jeu. Ah ouais. Pour ça, je dis, je veux un live action avec cet acteur. J'adore sa voix, j'adore son visuel et tout. Il a fait une Maroc en mode... Et un coup, on le tue. En un coup, on le tue, ouais. Bon, au moins, elle est morte maintenant. Ouais, ça, c'est sûr. Alors, techniquement... Il en a mis 20 avant. Attends, quand il a fait une... Ah oui, d'accord, 20 coups, ouais. Tu peux skip les cinématiques, déjà vu. Tu vas faire un boss fight. Ah oui, 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 non, mais oui, oui, je pense qu'au bout d'un moment, ouais, je les skipperai. Alors, quoi, qu'est-ce que quoi? Changer de posture, simple, double lame. Bah, oui, mais là, double, enfin... Ah, ok. Maniement double, simple. Ok, d'accord. Oui, oui. Ah non, mais tout va bien. Changer aux postures de sabre. Ouais, non. Mais donc là, ça veut dire... Au point de méditation, d'accord. Là, on peut passer par. Je sais pas dans la cinématique, il me disait par là. Là, si, piraté. Allez, éteins-moi le feu là. Bon, c'est bien. Petit conseil dans ta personnage. Comme 90% des streamers. Ah, 99. Ok, ben ça m'est arrivé au début, j'ai pas parlé à tout le monde et je me demandais justement si je devais le faire. Yep, je confirme, il faut le poncer. D'accord. Et ben merci du conseil. C'est beau. Merci du conseil parce que c'est ce que je vais faire. En tout cas, c'était une très belle séquence. Alors là, ok, tu peux scanner. Il faut arriver à un certain point du jeu. Il faudra que tu parles à tout le monde. D'accord, je suis vos conseils. Le droïde d'alimentation de série GNK est réputé pour être une excellente unité de batterie portative. On les surnomme des droïdes Gonk en raison de leur classification de série et de leur vocalisation de baryton caractéristique. Je me sens pas visé, Marielle, c'est pour ça que je jouais en live. Ah, il y avait une petite cible. Donc autant prendre l'habitude dès le début. D'accord. Mais vraiment, il y a plein de petits détails dans les dialogues. C'est très gratifiant.
Toi, tu parlais au perso. Bon. Bon. Tu vois, 99% des streamers, tu étais le 1%. Bon, moi, j'aimerais jouer au moins jusqu'au moment où on part de Coruscant. Let's get back to the Mantis. Je veux voir un autre endroit de Coruscant. They'll meet us at the hangar. J'espère que ça va pas prendre 3 heures non plus, parce que sinon je vais pas tenir. Même si, au pire, on se fait... Comment ils appellent ça en ce moment? Des live-atons ou genre tu live pendant 24, 48 heures et tout, tu sais, ils font des dons. Et puis, ou des je sais pas quoi, et puis ça augmente le temps. On se fera ça un jour au milieu. Non, je suis pas rendu. En fait, ce qui est compliqué en live, c'est que les gens veulent que tu joues comme eux. Il y a un peu ça aussi. Mais tu sais, on. J'ai pas fait exprès. Attendez, j'étais en train de lire mon chat, vous me permettez? Non, mais j'ai battu là. 9ème sœur, je devrais pas me faire battre par vous quand même. Vas-y, tire. Voilà. Oui, c'est comme on disait aussi, tu sais, c'est comme la découverte des livres et tout, ou des séries. Les gens veulent que tu le découvres à la même manière qu'eux, alors qu'en fait, il faut que tu le découvres à table. Moi, je veux juste qu'ils profitent du jeu et pas d'un tir du là. Non, mais par contre, le conseil de les lire, ce qu'il faut, ça, c'est un conseil. Backseater, les emmerdes. Tiens, petite question. C'est laquelle ta forme préférée au sabre laser? Moi, perso, c'est cela se bataille entre la forme 1 et la forme 6. Par contre, la forme que je n'aime pas, c'est la 7. Eh bien, écoute, je ne sais pas à quelle forme se réfère à chacun de ces nombres. Je sais qu'il y a des nombres, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc. I don't know. Je ne sais pas quoi te répondre. Il faudrait des images. Au pire, envoie-moi des images, mais là, je vais pas pouvoir les voir. Au pire, ouais, je sais pas, envoie-moi des images sur Discord, je te dirai après. À la fin du live, je te répondrai. Mais en même temps, c'est pour montrer que Cal est devenu plus puissant au fil des années. Ouais. Et là, ça se voit qu'il est carrément devenu. J'attends la 7, d'accord. 2, c'est la forme de Doku. La plus élégante. D'accord. Ouais, non, mais moi, là, ça me dirait rien, de toute façon. Mais une forme, c'est quoi? C'est quoi, une forme? Je veux dire, quand on voit Obi-Wan qui fait ça, c'est une forme aussi? Avec le sabre derrière, là. Il y a ma tête partout. Non, mais on voit que Cal, il est quand même vachement plus confiant et tout. Oh, mince, il est pas tombé. Ah, un petit peu de challenge. Oh, j'ai annulé son attaque. J'ai tué tout le monde. Non mais, tu peux pas test maintenant, je t'ai dit. Non, faut arrêter. Faut que j'arrête de me sentir pousser des ailes, d'accord? Tu n'as jamais tout appris. Tu n'es jamais... C'est bon, quand on fait des bons moves, on a bien le droit de se vanter un peu quand même. Aïe! Ça fait mal. Ça fait mal. Oui, j'avoue, c'est quoi ce streamer? De quoi vous parlez? Waouh, attendez, ça parle de... Ouh.
Personne ne t'a dit que le son du jeu est trop fort. Streamer de pacotille. Ah mais ça je le demande, cousin, je le demande à chaque fois. Tiens bah d'ailleurs Scan, mon cousin c'est lui. Voilà, celui qui aime bien les Souls-like. Voilà. Donc là tu pourrais bien t'entendre. Mais à chaque fois dans mes lives je dis aux gens, si vous pensez que c'est trop fort et tout, vous me le dites. Donc là, est-ce que c'est réellement trop fort? Parce que moi je baisse hein. Faut me le dire. Regardez, je vais baisser un petit peu comme ça. Vous me direz si ça change quelque chose. Il est parfait le son. Ah bah attends, bah je le remonte alors. Bon, les formes, là j'avoue, je vais pas suivre. Là. Ouais, j'avoue, c'est quoi ce stream? Bon, ça débat des formes. Bah, le son est nickel là, non? Tryharder, le mec qui ne s'amuse jamais, bonsoir. Tryharder? Ah, oui. Oui, salut cousin. Mais tu sais que j'ai parlé de ton défi tout à l'heure, hein. Tu sais que je fasse Demon Soul ou Dark Soul, je sais plus, désolé. Je sais plus lequel a été. Ça va, tu fais du stretching? Ok. Mais non, mais je compte le faire, hein, ce défi là. Il était nickel le son. Bon, c'est mon cousin qui niaise. Il me charrie. Allez, voilà. J'ai remis le son comme il était. Il était nickel le son. Tu l'as mis trop faible. Ok. Attendez, dites-moi. Est-ce que c'est là que vous voyez un ajustement de son? Ou alors c'est quand je fais ça? C'était quoi, le premier ou le deuxième? Je pense que c'était le premier. Il était bien. Yes, oui. Voilà, maintenant, c'est regardable. Je ne follow. J'ai signé la kit de drone. Les deux. Oula. Les deux. Ah, les deux. Forme 3. Et celle du défenseur par excellence. Attends, mais bon. On va en bouger qu'un curseur. Est-ce que là, ça va? Sinon, je l'augmente ou je le réduis. Vous me direz. Scanner. Qu'est-ce que t'as trouvé, mon petit? Un perchoir de route aérienne utilisé par la force de sécurité de Coruscant pour surveiller le trafic et appliquer la réglementation. Ne touche à rien, c'est tout bon. Ok. Bon, est-ce qu'on va quitter Coruscant quand même? Ah, petite face crash bandicoot. Allez. Elle est où la toupie là? Merde. Oui, ah, je l'ai vu quand même. Attends. Mais... J'allais dire un truc. J'allais dire, on n'a pas un passé de platformer pour rien. Bon. Eh ben, j'ai bien fait de pas le dire alors. Et non, mais parce que ça, je l'avais vu ça, tu vois qu'il fallait aller là. Mais alors la fin de la ligne, je l'avais pas vu moi. Et chaud quand même, hein. Tu joues en quel mode graphique? Bah comme d'hab, tu sais, 60 FPS. Donc pas en mode graphique, mais en mode performance. Je crois que c'est ça. On ne t'a pas dit que le jeu complet était sur Coruscant et ses bas-fonds. C'est... D'accord, donc en fait, vous me dites que là, je vais jouer, vu que je veux arrêter de jouer quand on sera plus sur Coruscant. On va finir le jeu aujourd'hui. D'accord. Bon, bah, pas de Jedi 3. Ouais, je comprends pas pourquoi il veut partir de là, vu que tout le jeu s'y passe. Ah, oh, vous êtes incorrigible. Il y a du 120 FPS. Voilà, je crois pas. Si on va dans les paramètres... effet visuel, tu vois, performance. Mais après, tu vois, là, c'est performance 60 FPS, quoi. De toute façon, le jeu est magnifique, même en low. Ouais, non, mais moi, en fait, si tu veux, c'est juste que je peux pas jouer en 30 FPS. Enfin, quand j'ai le choix entre les deux, je peux pas. Je tourne déjà pas très bien en 60. Ouais, des fois, j'ai vu quelques petites choses qui allaient pas, mais bon, après, il y a...
Le jeu a l'air quand même déjà énorme, gourmand et tout, donc. Allons-y. Non, c'est juste que vous me dites tellement que le jeu est beau, qu'il y a des environnements de fou et tout, que. Oui, Coruscant, c'est beau. Mais on est un peu dans les bas-fonds, là. Je veux voir autre chose. Non, mais calmez-vous, les gars. We're alive. Thanks to this crazy son of a gun, Doc. You're hurt. I'll manage. What happened to the Inquisitor? Dead. Gaps. And the twins. I should have. They know what they signed up for. We need to get topside and transmit that intel to Saul Guerrera. That's how we honor the fallen. Et qu'est-ce qu'il fait, Saul Guerrera, là? You're right. Dans l'histoire, hein? Il en est où, lui? Yeah. BD, call the ships. Vous avez vu les déplacements de caméra? Un film, c'est un film, le truc. Une caméra qui passe derrière le perso, qui tient une caméra à épaule, qui bouge comme ça et tout. Not the valet service I was hoping for. Bravo. C'est un film, le truc. Tu mets toutes les cinématiques les unes à côté des autres, tu kiffes. I saw the fire. You hit them when they aren't looking. Let's get some payback. See you in the next scrapper. Mais c'est beau, oui. Je dirais même plus. C'est beau, oui. Moi, je dis c'est bio. Ripé. Ah oui, Gabs et les Swiss, oui. On les connaissait à peine, oui. On a dû même mettre leur définition au passé. Saul Guerrera fait la guerrera, oui. Merci. Je dirais encore plus. Ok. Ok. Non, mais là, on peut aller loin comme ça. Même le vaisseau, il est bio. Ça m'attire, ça, là-haut. Je peux pas y faire quelque chose, moi. Y a pas un secret derrière, moi. Ah. Je sens qu'on va se pipe. Je ne sais pas vous, mais... Let's do this. Bon, je vais m'arrêter avec mes explications. Bah là, de toute façon, j'ai pas pu suivre Bucky. Bon, bah j'ai pas suivi le. Enfin, j'ai pas la ref. Du Kobo. Je crois que c'est une ref Star Wars. Un truc dans les tréfonds que je n'ai pas. T'inquiète, c'est normal que tu n'as pas la ref. D'accord. Ou alors c'est un ref à tes lives, Winston. Se reposer, oui, reposons-nous. Un jeu de mots digne de Bruce. Ah. Si c'est un jeu digne à la Bruce, ça peut plus être bon. Ah, ça y est, ok, d'accord, vous êtes comme ça, très bien. C'est tout? Quand même, c'est sympa. Mais aide-moi. Aïe. Quoi, c'est tout? Non, mais fallait aller attaquer tes amis. Allez, on fonce. Ah non, franchement, le double sabre. Quand t'as plein d'ennemis, c'est quand même kiffant. Sautons sur le vaisseau. Moi, je veux sauter sur le vaisseau. Ah, attendez, on va pas se lancer trop vite dans la gueule du loup. Sinon. Ah, c'est quand même cool, là. Tiens. Ah, oh, c'est jouissif quand même. Attendez. Petit coup de R3 L3, ça fait bien des fois. Voilà, merci.
même si je préférerais le battre tout seul, mais tu peux pas t'empêcher de m'aider, quoi. Comme d'hab, depuis le début du jeu, de toute façon, c'est toujours pareil. Tu trouves le jeu plus beau que Rift Apart? Alors, c'est différent parce que t'en as un qui est réaliste et l'autre qui est plus cartoon. Je dirais que c'est équivalent. Parce que j'en vois pas un plus beau. Rift Apart était quand même magnifique, tu vois, ne l'oublions pas. Donc je dirais équivalent. Mais c'est deux touches très différentes, parce que t'en as un, c'est plus cartoon. Bravo le gars sûr, il snipe les mecs à distance. Tu vois, tu vas adorer le perso. Moi qui développe un mini-jeu vidéo. Oh, je suis abasourdi par le... faussement des décors. Bah, non, tu développes un jeu. Attends, il va falloir que tu m'expliques un peu plus, là. C'est trop intéressant, ça, parce que je suis développeur, pas de jeu vidéo, mais je sais ce que ça implique de développer. Mais t'es quoi? T'es plus dans le développement ou plus visuel? Ou alors tu fais les deux? C'est genre graphiste et tout, parce que ça, c'est un truc de fou, hein, se lancer dans un projet comme ça. Je te dis, même sans savoir ce que tu fais, où t'en es, je te dis chapeau. Bod le goat. Non, moi je l'aime pas. Il m'aide trop. Mec, le jour où il va me sauver, je vais peut-être un peu plus t'aimer. L'aimer. Quel casse-bonbon. Ouais, non mais moi je suis de ton avis. C'est le meilleur, tu aimes juste pas les gens d'une gentillesse sans... Mais non, mais c'est juste qu'ils nous aident trop, quoi. Nous, on veut casser des bouches, tu vois. Mais par nous-mêmes. En vrai, il m'a saoulé dès le début, tu vois. Laisse-moi faire mes combats. Mais oui, on se comprend avec Wellstone. Et il est joué par le même gars qui fait Charles Smith dans R2-D2. Dans R2 ? Dans RDR2. Ah, c'est différent, c'est autre chose. C'est Red Dead Redemption 2. Un gars en or. Je veux que Bod me raconte une histoire avant de dormir. Oh putain. Ah non mais là on va loin. Entre le trop plein de détestation, si je peux inventer ce mot s'il vous plaît, de Wellstone et moi, et puis ton adoration extrême à Jessilas jusqu'à ce qu'il te raconte des histoires pour aller au lit, quoi. Rien ne va plus. Je cherche l'entrée du vaisseau, mais c'est certainement pas là-dedans qu'il faut aller. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que je vous parle? Ah oui, c'était peut-être ça. Hein. Alors, oui, interagis. Sinon, je vais louper du lore. Ah non, c'était ça qu'il fallait faire. Z95. Nice. On va pouvoir s'échapper avec ça. At a hunch, this might be a hot exit. See you both in the air. Ready? Oh, this has been a great first date and all, but I still haven't gotten paid. Locator beacon? Got the other on the Mantis. When things cool off, come and find me. We'll settle up. Yeah, sure, I can trust you. You saw the intel. A lot more work to be done. Looks like I made the cut, huh, BD? Boat? May the Force be with you. You're a great fighter, Cal. Let's see how well you fly. Oh, ça, c'est un Han Solo. Tu vois, regarde, même pas, il nous répond, quoi. Bon, un Han Solo du début, hein, c'est bon, calmez-vous. T'es genre, ouais, la force. Regardez-moi ça, cette caméra qui suit comme ça le perso. How we looking, BD? Oh. Whatever it is. Ah oui. I'll have to wait until we get some place safe. Est-ce qu'on va partir? Est-ce qu'on va avoir une carte planétaire? La musique, j'ai cru que ça allait enchaîner sur un... Petite phase dans le vaisseau, non. C'est bio. No traffic. Looks like this portal's under maintenance. As soon as we reach the surface, jump to light. Non, c'est qu'on nous attend à la surface, en fait. I take the risk. We've already overstayed our welcome. Non. Ils sont forts. We got company. Bien sûr. Ah mais c'est un film, hein. Moi là je regarde. Hein.
je kiffe. Copy that, Bravo. Mais il vibre là. Nice work, everyone. Hope that's the last of them. Not a fan of long goodbyes. Non, tu vas avoir toute une armée là. Bah oui. Il est long le tunnel pour remonter Coruscant là, non? I'll peel off, draw a few away. Thanks, Bart. Good luck. You too, Cal. See you soon. Jacob, hold on. That's one way to do it. Learn that move from you. There's our exit. We're almost there. All coming in from the surface. And on our tail. We're trapped. Vous voyez, ils attendent enfin la sortie. Non. Ah bah, bu. Il va falloir mettre sa définition au passé. Pourquoi c'est pas Bod? Non, je suis dégueulasse. Bon, c'était une bonne phase, non? Ils en mettent beaucoup de cinématiques. Oh, mais ils nous ont gâtés. Mind running diagnostics while I transmit the intel. Gâte, hein. En termes de cinématique, il nous gâte. Franchement. Regardez-moi ça, c'est propre et tout, c'est calme, c'est bon. J'espère que cette information fait quelque chose. À l'époque, c'est ça. Well, it's as we hoped. This book is a copy from the Jedi archive. That's great, Seer. Just wish you could have stopped the Empire from. Attends, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'elle est devenue déjà? This war won't be won soon. Elle est morte dans le premier. War by us alone. Je viens plus, moi, ça fait plus de 3 ans. The galaxy is vast, Droid. And I have seen only a little of what it has to offer. But one day, I will return to Dathomir and whisper what I have learned to my sleeping sisters. You are not invited. Sur la vidéo, c'est un film, en fait. You know, it's not often I break out an old family recipe like this. What do you think? Il y avait pas un petit truc entre les deux là? Il se kiffait pas un peu, non? It's good. Mary Nekal, non? Could you use some more salt? Too much salt is bad for you. It's wonderful, Grace. Et c'est pareil, Meryn, qu'est-ce qu'elle est devenue aussi? I'd actually pay credits for this. Oh yeah? Hey, I might start charging you, Cal. Hey, does anybody else smell something burning? Il y a quelque chose dans le four. Attendez, je vous lis après. Je profite. Ouais, les lumières, l'éclairage. We need that. Any ports nearby that won't turn us in for a reward? Yeah. Pull up the Kobo system.
Kobo. Attendez, je l'ai. Je l'ai. That's where you settled down. Donc c'est beau là-bas alors. C'est Kobo. It'd be a good place to lay low. If anyone knows how to fix up the mantis, it's Grease Dritus. On verra si ce sera Kobo ou pas. Think we can make it? Bien. Nettoyer le mantis, plus que ça, Grease. You know how he is about mess. Bon, qu'est-ce que vous m'avez baragouiné? Ma souris, elle est où ma souris? J'ai perdu ma souris. Elle est là, ma souris. Attends. Ça parle de épouse là. J'ai pas trop suivi là. Mais c'est que vous en dites des choses. Ah voilà, ah, ok. Je développe un jeu d'horreur mythologique sur Unreal, même si pour le moment, je suis plus sur l'aspect graphique. D'accord, mais t'es quoi? T'es plus développeur ou graphiste alors? Parce que, je veux dire, si t'es graphiste, compliqué si t'as pas des bases de développement, à part si t'as des outils justement pour éviter le développement, t'sais, des trucs un peu user-friendly ou trucs comme ça, quoi. Survivor, c'est pas un jeu avec des cinématiques, c'est une cinématique avec du jeu. Mais oui! C'est un film interactif. Je te conseille de bien observer la performance des acteurs et une certaine profondeur. Dans certaines scènes, c'est bluffant. Ah mais, je regarde beaucoup ça. Je regarde ça et je trouve ça tellement... Je trouve que le jeu, tu vois, dans les cinématiques et tout, ils prennent leur temps, ils posent le truc, ils prennent le temps de jouer, de parler, de... Tu vois, les expressions et tout, tu vois, c'est pas... C'est naturel. C'est palpable et naturel. Non mais vraiment, c'est naturel dans la manière de jouer et tout. C'est pour ça que je dis, t'as vraiment l'impression de voir un film. En particulier, Cal est bonne, ouais. Ça se voit que vous avez jamais connu Metal Gear Solid 4. Ça, ce n'est pas ce que j'appelle beaucoup de cinématiques. Ah ouais. Ouais, mais bon, je parle aussi par rapport au premier. Et moi, je suis quelqu'un qui aime quand même beaucoup les cinématiques. Mais je sais que dans le Metal Gear Solid, il y en a peut-être trop. Mais bon, j'ai jamais joué, donc je peux rien dire. Mais... J'ai eu les larmes aux yeux à l'époque. Ouais. Non, pas morte à la fin du premier. D'accord. La musique... Pas morte à la fin du premier, mais elle va mourir dans le deuxième. la musique est splendide, oui. Meryn, la gothest, oui. My wife. C'est... Ah oui, attends, ça fait partie de tes nombreuses wives, Wellstone. Je simpe, épouse-moi, épouse-la, je dis oui. Mais ils ont pas quelque chose, non, un truc, entre eux, non? C'est toi qui chenille, c'est toi. C'est quoi, moi? Non, parce que là, j'ai pas suivi, là. Elle est intéressée que par une seule personne, toi. Moi? Meryn? De quoi? J'ai pas compris. Elle est si belle. Et c'est peu dire. Je crois que j'ai pris trop de photos d'elle. Dire que c'est seulement le deuxième jeu du studio sur ce moteur. Ouais. Kobo! En fait, je copyright le jeu de mots et je veux voir personne l'utiliser. Sauf Bruce parce que c'est Bruce. C'est fair. Les deux, normalement, j'ai un master d'info. Ah, je me débrouille un petit peu. C'est bien, ça. Et tu fais vraiment tout seul? C'est palpable, pas comme les Dataris. Ok, encore un truc, j'ai pas à la ref. Dans Metal Gear Solid 4, tu avais une cinématique de presque 30 minutes. Ouais, j'avais entendu ça. En fin de niveau, après avoir vaincu un boss. Bon, derrière, le pauvre. Meryn, c'est juste la best. Voilà, bon, si c'est ce qu'il faut retenir, si Meryn, c'est juste la best. Après s'être échappé de justesse de Coruscant, qu'elle se demande si ces dernières années passées à combattre l'Empire en valaient la peine. Avec ses anciens coéquipiers du Mantis dispersés dans toute la galaxie, qu'elle est désormais seule. Alors, choix. Soit on arrête là, soit on attend d'atterrir sur la prochaine planète qui est semblablement Kobo. Kobo. On peut nettoyer en attendant. Apparemment, c'est ce qu'on doit faire pendant le temps de chargement. So Guerrera, insurgé notoire, Don Deron,
collabore avec Cal Kestis pour mener des opérations contre l'Empire. Ah, voilà, ça c'est... Ok. Il charge Cal et son équipage d'obtenir des informations militaires sur le yacht du sénateur Dao Sejan. Attends, mais c'est celui qui est mort, là ? D'accord. Kobo, ils ont... Ok. Tu peux atterrir, en vrai. Mais ça fait plein de jeux de mots sur Kobo, là. Attendez, je vais m'y mettre, moi. Kobo, civilisation. La prochaine séquence est un peu longue. Ah. Chauve Guerrera. Ça me fait rire. J'ai passé 8 heures sur Kobo avant d'avancer dans la trame principale. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là ? En vrai. Et on reprend vendredi prochain. Quoique, attendez. Je crois que vendredi prochain, je peux encore pas. Ça va être d'une semaine sur deux. Non, pas à chaque fois. C'est juste la semaine prochaine, mais après, ça devrait aller. Bon. Nani, je te conseille d'arrêter si tu veux. Ok, c'est un bon conseil. Nina. Mais tu aimes nous faire souffrir. Oui, oui, je sais. Mais comment dire c'est de la bonne souffrance, tu vois. Ça vient dans l'attente, tu vois. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Non, mais comment dire comment vous avez dit tout à l'heure qu'il faut, essorer le jeu jusqu'à... Je sais plus comment vous avez dit, quoi. Mais qu'on va le déguster vraiment lentement. On va en tirer tous les bénéfices. Quoi qui va dans ma tente ? Quoi ? Bon, mais ouais, attendez, je vous confirme pour la semaine prochaine, attendez. En fait, pour tout vous dire, si vous voulez savoir ma life, j'ai pris un rendez-vous chez le, je sais pas comment on appelle, l'opticien, l'optimétriste, l'oculiste, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, quoi. Le poncer, le jeu, oui, merci Parisien. Voilà, dis-nous ta life. Donc ouais. La dernière fois, j'étais pas là parce que j'avais un rendez-vous, en fait, chez l'oculiste, on va dire, ou l'ophtalmo, je sais pas. C'est un optical center, voilà, si vous voulez tout savoir. Il y en a ici aussi au Canada, oui. On est là pour ça. Ok, bah, on se transforme en Jedi chatting, alors. Oculiste. Opticien. Dites ce que vous voulez, quoi. Ouais, l'opticien était opti-soin, ouais. Bref, donc, j'ai fait un examen de la vue. Ça faisait 4 ans, j'avais pas fait d'examen de la vue depuis que je suis là, en fait, au Canada. J'avais jamais mis les pieds chez un opticien. Donc voilà, bah, j'avais ça. Et en fait, j'aimerais me mettre aux lentilles, mais pas des lentilles tout le temps. Je sais que toi, Vanji, t'emportes. Mais toi, est-ce que c'est des lentilles que tu nettoies et tout ça ? Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils m'ont proposé, c'est des lentilles jetables, en gros, que tu mets qu'une seule fois. Et si j'en mets que 2 fois par semaine, parce que moi, je compte pas en mettre tout le temps, les lunettes, j'en aurai toujours. Mais je compte quand je vais faire du sport, par exemple le kung-fu ou autre, ben, j'aimerais pouvoir des fois comme ça mettre des lentilles. Sauf que je ne sais pas en mettre. J'avais déjà essayé il y a 10 ans, sauf que je ne savais pas en mettre. Je voyais flou, je trouvais ça chiant, mais je sais qu'il faut juste s'habituer. Donc, autrichien, le truc des yeux. Ouais, c'est bien ça, Scan. J'étais dans le truc des yeux, là. En tout cas, je commence à fatiguer. Demain, je publie le prochain chapitre de ma fiction avant d'avoir mon après-midi. Pris, donc je ne vais pas tarder et aller me coucher. D'accord, bah écoute, soit tu... De toute façon, là, je vais juste raconter ma life et puis après, on se barre, quoi. On s'en va se coucher. En même temps, les pieds, c'est chez un podologue, pas l'opticien. Oui, déjà, ça c'est clair. J'ai des lentilles journalières et mensuelles, j'alterne. D'accord. Demande une paire d'essais. Non, mais c'est ça. Justement, j'y viens. Alors... Pour ma life, donc vendredi, voilà, vendredi prochain, voilà, c'est ça. Donc le vendredi 20 octobre, j'ai un rendez-vous et justement j'ai demandé un rendez-vous pour m'aider à les mettre et ils vont me passer justement 5 paires d'essais. Voilà, ça, et puis après ils vont me commander, je crois, justement toutes les paires et tout ça, et je les payerai, etc. Donc voilà, en fait, la semaine prochaine, c'est juste pour ça et pour que je récupère aussi normalement. Ma nouvelle monture. C'est marrant, quand j'ai dit ça, je me suis dit, ça se dit ça pour les lunettes, une monture ? C'est genre, je vais récupérer mon cheval.
Moi, les yeux, j'ai arrêté trop de soucis. Ouais, mais je veux dire, si tu vois rien, t'es obligé de lunettes, quoi. Sinon, ce Guerrera, il se rase la tête toutes les semaines ou quoi? Possible. Un projet, il a des cheveux, un autre, il n'en a pas. Faut se décider, monsieur, c'est clair. Bon, en vrai, on va dire que ça m'arrange parce que c'est le week-end où je vais sur Lyon pour la nuit Star Wars. Ah, y a quoi? Allez, raconte-nous ta life aussi, Wellstone. La nuit Star Wars, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Que vous avez ça, je suis jalousie. Pile pour mon anniv. Ah, donc AG Silas, le vin, d'accord. Est-ce que... Attends. Est-ce que tu... T'es pas sur le Discord de AG Silas? Je peux te passer le lien si tu veux. Parce que je sais que parmi les personnes qui ont rejoint, il y a eu Scan notamment. Il y a quelques personnes, et puis je sais qu'au début, je demande pour mettre le... Ah bah merci, Vanji. Donc voilà, c'est le lien du Discord si tu veux rejoindre. Je donne une petite commande pour que vous puissiez mettre votre anniversaire. Bah, s'il est dans pas longtemps, tu pourras avoir le plaisir d'avoir l'ami de Scan. Il s'est fait un ami robot là-bas. Tu pourras avoir l'ami de Scan qui te souhaitera ton anniversaire. Voilà. Je vais y aller. Bonne nuit, Kishni. Merci pour ce live. À la prochaine. Bah, merci à toi, Bucky, d'être passé. C'est toujours un plaisir. Donc, bonne nuit et puis bonne journée à toi demain. C'est le Festival des Lumières. Ah, il diffuse. Attends, Festival des Lumières? Mais oui! Oh, Rogue One et la trilogie originale au cinéma. Mais non! De 20h à 6h. Mais non, mais attends, moi aussi, je suis jalousie là. Rogue One de nouveau au ciné. Oh, c'était tellement une bonne expérience. Il est tellement beau ce film. Et la trilogie originale. Oh là là. En plus, Rogue One qui enchaîne trilogie. On a des cookies. Rejoins le Discord, oui. Mort de rire, il va me voler tous mes membres. Eh oh, on se partage les membres, Wellstone, d'accord? Il y a des membres à moi, à toi, il y a des toi à moi, ok? On est dans le partage. Je sais pas si je serai de bonne compagnie, je suis peut-être un peu casse-pied sur les Discords. Mais viens nous casser les pieds. Écoute, tu sais quoi? Tu viens. Si tu trouves que t'es trop casse-pied ou on trouve que t'es trop casse-pied, tu t'en vas. On va pas te retenir. Moi, je suis comme ça de toute façon sur le Discord. Tu veux venir, tu viens, t'observes. Tu veux repartir, tu repars. Je vais pas t'en vouloir. Tu fais ce que tu veux. Voilà, donc viens, ça te coûte rien et puis tu verras. Bah voyons, il va te réquisitionner tous les membres nuance. Non, personne ne se partage. Non, mais pas, c'est pas vrai. Hein. Et moi alors, je suis recherché pour ban sur une dizaine de Discord. On se partage nos membres, mais tes membres viennent pas eux. Ah, c'est vrai? Ah, mes membres, tu veux dire mes mains et tout ça? Non, mais alors moi déjà, tu me connais, je rejoins aucun Discord. Parce que déjà que j'ai du mal avec mon propre Discord. Donc, c'est un peu compliqué, tu vois. Mais je suis pas fermé. Je suis pas fermé. De toute façon, si à un moment je veux participer à ton live, je crois que tu as un Discord fait pour ça. Et à un moment, je dois intervenir sur tes lives. Tu m'avais dit que c'était... Ah oui, mais c'était pour Ahsoka. Bah là, Ahsoka, c'est fini. C'est un peu trop tard, mais... Je voulais pas venir sur tes streams, à la base. Mais on ne veut pas venir nulle part, en fait, à la base. Mais c'est juste qu'il faut se laisser porter, et puis voilà. Bon, bref, est-ce que le racontage de life, mort de rire, mais c'est pas ce que je recherche. Chacun doit aller sur le Discord de qui il veut. C'est pas une compétition. Mais voilà, exactement. Exactement. Moi, j'ai été matrixé par tes shorts Kung Fu Kishni. Kishni Saifu. Ouais. Bah, je risque d'en refaire. Alors après, me diversifier, hein, évidemment. Avant, je postais tous les jours. Là, je vais plutôt poster quand ça vaudra le coup, entre guillemets. Tu vois, si jamais j'obtiens le Dan pour ma ceinture, peut-être une petite photo, un truc comme ça sur Insta, tout ça. Mais ouais. Ah, bon, ben bah voilà, fin de racontage de life.
Mais oui, bien sûr, on rejoint qui on veut, quand on veut, quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Allez, assemblage. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Je peux, ah oui, je peux custom BD. Établi débloqué, les sabres laser et BD1 peuvent être désormais personnalisés aux établis trouvés en jeu. Vous pouvez désormais modifier la couleur de la lame de votre sabre laser. Vous pouvez également modifier les composants, les matériaux et l'état d'usure du sabre laser. D'autres options de personnalisation de sabre laser peuvent être trouvées dans le jeu. J'avais pas mis jaune, moi, pour le... Vous pouvez désormais personnaliser les pièces et matériaux et peintures de BD1, ouais. D'autres options de personnalisation. Let's get this back on the workbench. Ben on verra ça, on verra ça la prochaine fois. Sinon, pour la dernière anecdote, on a passé plus de temps dans les menus que in-game. J'avoue, et j'aime bien ton anecdote. J'aime bien tes anecdotes d'ailleurs, de manière générale. On parle vraiment beaucoup. Tu vas jamais finir le jeu avec nous. Mais c'est ça qui est bien. Si je vous parlerai pas, bon, je ferai que jouer, ok. Mais au final, je veux dire, jouer le jeu que pour jouer au jeu en live, sans échanger, ben, au final, t'as la même expérience que tout le monde, entre guillemets. Alors que là, t'as l'expérience en plus de pouvoir parler à des personnes qui te... soit qui te racontent des anecdotes, ou qui te font des blagues sur Kobo, ou qui, tu vois, ou qui te donnent de la force aussi. Et ça, ça change l'expérience. Au moins, on sera encore sur le jeu pour la sortie du 3. Voyez-moi comme une manière pour vous de vous faire attendre. Non ? Il vous fera patienter. Voilà, Scan, il a compris. Et oui, et oui. Puis il joue avec des personnes formidables. Là, ça change tout. Ben, tu as tout dit. Voilà. Ben, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. C'est très bien. Voilà. Ben, écoutez, comme tu le dis à Jessilas, hein, et oui, jouer avec des personnes formidables. Non, mais forcément, ça fait plaisir. Donc, je vous remercie d'avoir été là. C'est très cool. Et puis, bah ouais, juste semaine prochaine, non. Mais après, dans mon agenda, j'ai rien. Je pense que on devrait pouvoir... Allez, je vous raconte un petit racontage de life à la fin comme ça, là. Je vous dis que fin décembre... Peut-être que d'ici fin décembre, on aura fini, mais... on ne sait pas. Fin décembre, j'ai un petit voyage à Londres. Voilà, je vous lâche ça comme ça. Comme vous êtes sur le live, vous avez les infos avant. Bien sûr, vous ne le dites pas sur le Discord. Hein, ça fera office d'un vlog et tout ça et tout ça. Mais voilà, je vais me faire une petite 3-4 jours à Londres, là, comme ça. Voilà. Pendant les temps des fêtes et tout ça, donc ça va être très, très cool. Bonne fin de soirée. Merci, merci toi aussi. Effectivement, on ne pouvait pas demander mieux exactement. À dans 2 semaines, dans ce cas, oui, bah à dans 2 semaines. Alors, peut-être plus tôt, hein, pour les dimanches. Les dimanches Star Wars, maintenant, les parlons Star Wars. Ça m'éclate. Bonne soirée, Vanji. Bonne soirée, Parisien. Fallait aller à Londres en avril. Oui, je sais, je sais. Et pour le petit jeu de mots, hors contexte, ce jeu, it doesn't bode... well. Attends, it doesn't bode well. Bode well. It doesn't bode well. Attends, pourtant, je suis pas nul en anglais, mais là, j'ai pas le... Mais... it doesn't bode well. Attends, mais bode well, c'est pas quelque chose, non? Bon, tu m'expliqueras la prochaine fois, dans 2 semaines, si on s'en souvient. Bon, allez. Salut tout le monde. Bah, attendez, en fait, pourquoi j'utilise pas les outils, tu vois, de Twitch, comme ça, tu repasses en chat et tout. Mais bon, ne cherche pas. Bon, d'accord, je ne cherche pas. Il casse du sucre sur Bod, alors que c'est le plus serviable des goats. Oui, non, mais on aime le détester aussi. Voilà. Allez, je m'arrête là, parce que sinon, moi, je suis parti toute la nuit, là. Hein, Tant que vous parlez, moi, je pars. Bon, allez, salut tout le monde, merci, et à la prochaine. Allez, ciao, à dans 2 semaines. Pour Jedi Survivor. Ciao, ciao!